Eh ben ça c'est de l'intro épique. Bonjour à tous. C'est Bagro Point. C'est le Pif de l'Actu. Et comme vous pouvez l'entendre, effectivement, ce n'est pas Chine qui vous parle, c'est Nathan qui prend le relais. Chine n'étant pas disponible aujourd'hui, avec moi l'équipe habituelle. Il y a bien sûr Le Il y a Alba Fika. Oui. Il y a Flashou. Bonjour à tous. Il y a Prosk. Oui. Et un petit invité. Il s'appelle Weed, Vous le connaissez peut-être pour Lin Pütlaq. Bonjour Weed. Bonsoir. Voilà. Alors on a beaucoup d'actu à digérer puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode du pif de l'actu. Donc on commence direct, Prosque tu attaques avec une nouvelle des histoires de sport, c'est ça c'est ça, le sport, ça y est, le jeu de combat aux Jeux Olympiques, on y est en fait pas tant que ça. Ce qui <laughs> se passe, c'est qu'Intel a beaucoup de pognon et organise un gros tournoi en ouverture des JO de Tokyo en 2020. Et il y aura une épreuve sur Street Fighter V. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les qualifications sont online. Et comme Ono était content de le dire cette semaine dans une interview pour Game Informer, l'intérêt c'est qu'après les qualifications online les joueurs sont complètement défrayés donc l'idée ce serait de vous dire il euh, n'y a besoin de rien pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Street Fighter, vous avez une console, un jeu on vous paye le reste et ça se fera au talent peut-être qu'on va découvrir des nouveaux talents peut-être pas, on verra, ça se passera en 2020 Ok j'enchaîne donc avec bah, à propos de 2020, très belle transition Prosk, merci <laughs> Guilty Gear 2020 euh, alors je sais pas si on en avait déjà parlé dans le pif de l'actu mais on attendait le nouveau Guilty Gear donc ça y est c'est annoncé euh, on a vu de plusieurs trailers avec toujours la même musique, ça commence à devenir un peu pénible. Perso déjà annoncé Sol, Kai, Mei et Axel. Et deux autres, d'ailleurs, devraient être dévoilés peu après qu'on ait fini l'enregistrement de ce podcast. C'est un peu triste. Euh, que dire bah, Changement de moveset. A priori, il y a pas mal de persos qui ont changé. Il euh, y a une nouvelle mécanique de changement de décor avec des décors un petit peu en cercle des choses comme ça et différents, euh, différentes parties du stage qui sont explorables. Un peu Pour le reste euh... Ouais, un peu à l'injustice, exactement. Sauf qu'apparemment là, on peut louper, enfin, comme dans l'injustice, tu me diras, on peut revenir à certaines parties du décor. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, pas de, pas de gameplay, pas de démo de gameplay. On a juste vu des trailers extrêmement montés, des choses comme ça. Donc euh, on verra ce que ça donne. Bien sûr, dans quelques heures, je crois. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. On vous en dira plus au prochain pif de l'actu. Le gars, tu veux reprendre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Tekken, lui, il est sorti, il continue de nous sortir du contenu. On a eu Zafina qui a été euh, qui a été release il y a pas longtemps. On vous en a fait un stream démonstration. On a Leroy Smith qui va pas tarder à arriver. Et pendant le Tekken, le, le tournoi au Japon, le King of Iron Fist, je crois qu'il s'appelle, c'est un tournoi au Japon. Donc, ils ont montré un peu plus de contenu. Donc du season pass, euh, donc modes de jeu, dont un qui va vous permettre de vous entraîner à punir, donc ce qui est pratiquement euh, la base de Tekken. Vous aurez deux possibilités, donc soit vous aurez un format simple, c'est-à-dire que vous aurez vos deux persos avec une surcouche de couleurs Quand vous êtes en bleu, c'est que vous êtes safe. Quand vous êtes en rouge, c'est que vous êtes unsafe. Ou alors une euh, plus compliquée, un peu comme faisait le mode euh, Tekken bot, à savoir vous montrer euh, numériquement la frame data. Et euh, petite, euh, comment dire, petite Tension dans la communauté, parce que c est, c est, c est, euh, cette option, ça sera payante. Euh, 3, 4, 4 dollars, 4 euros, on verra la conversion. Mais beaucoup ont râlé, on vous en reparlera plus tard dans le, dans le podcast. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas le jeu de se vendre. On, est, on a dépassé les 4 millions de ventes. Alors, ce qui se vend bien, a priori, c'est les jeux SNK également. Alba, il paraît que tu vas nous parler de Samurai Spirits oui, ben bah, alors euh, là il y a la version euh, Nintendo Switch qui sort pour bientôt. Quelle date Alors ce sera pour euh, le 12 décembre. Mm -hmm. Cependant, on n'a pas encore, euh, on a pas encore euh, des images du gameplay, on a une petite démo. Moi j'ai pu constater, mais après c'est la vidéo YouTube, un hein, léger downgrade, c'est-à-dire des graphismes légèrement mieux, euh, légèrement moins bons. D'abord ah j'allais dire, oui. <laughs> comment, je, comment je dois dire En fait, c'est comme, si jeu... comme si on passait d'un jeu. C'est comme si on passait d'un jeu. Dreamcast, un jeu PS2. Ah, je vois, c'est moins fin. Euh, voilà. Moins, euh, je vois. Voilà. C'est pas pour dire que c'est un jeu PS2 aussi. Hein. Non. <laughs> non. Bon, sinon là, oui. Non, j'allais dire, c'est pas la seule actualité du jeu. Qu'est-ce qui se passe autour ah bah de Samurai Bah là, il y a, y a les DLC qui, qui, qui sortent et qui ressortent. Bah là, on a le petit gars là, avec son parapluie qui est très fort, qui est gratuit. Fort et gratuit. Il est quasi mmh. invincible. Ouais, Shizumaru, là... c'est ça. Voilà, Quel là, Shizu agité, ouais. mmh. Il a des coups complètement craqués. Il peut te tuer en trois coups. On avait relayé quelques petites vidéos. Et là, le dernier qui est arrivé, bah, c'est Basara. Mmh. Le mort vivant. Le gars qui veut pas mourir, je ne sais pas. Il, il a une dent contre euh, Zankuro. Il veut mmh. le mmh. tuer. Euh, il est bon en zoning. Il va vite. Tu l'as testé, toi, un peu hein? Je l'ai testé rapidement. Ouais. Il est lourd. Il se bat avec un shuriken. Il fout nerfs, il, est, il, est, il, est, il a une petite euh, furie où il termine un peu comme Iori, en criant dessus. Ah ouais, un... et, et euh, il a l'air un peu mort-vivant et fragile, c'est un perso pour livide, quoi. Ouais, voilà, voilà. Il, va, il va bien avec livide. En plus, <laughs> c'est un gars, il est amoureux, il est amoureux de sa femme, mais sa femme, elle est morte. Ah lui, lui aussi, aussi, il a euh... l'air un peu mort quand même. <rire> <rire> mais mais c'est voilà. pas tout ce qui se passe avec Lazara, il y aura un autre Season Pass. Voilà, euh, là, de bah, toute façon, le, le Season Pass, il est pas terminé. Hum? Parce qu'il y, euh, y a encore la petite, là, la petite zoneuse, Mina. Non, tu qui... confonds, là. C'est le Season Pass 2. Ah, c'est le 2 Ouais. Ah, ah non, c'est euh, Kazama. Ouais, c'est Kazumi et Wanfu. Voilà, Kazama, il reste... pardon. Il reste Kazumi... Euh, ouais, Kazama le feu. Et Wanfu, euh, le gars qui se bat avec un pilier. Je sais pas où il a ramassé ça, d'ailleurs. <laughs> un genre de napa avec un pilier. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que ce, ce DLC, il est vraiment gratuit Parce que, est-ce que c'est pas la suite du jeu qui était déjà terminée et qui nous vendent comme un DLC gratuit bah Kazuki Kazama et Wanfu ils sont pas gratuits pour le coup, c'est ce qui fait partie du season pass 1. Oui, pour le mais le, pass, ils ont le, été le season pass quoi. Quoi. il était quoi. était gratuit quand même. Ah oui, quand tu bah tu pouvais le choper gratuitement quand voilà. le jeu est sorti mais c'est -ce... des fois je me dis -ce que c'est pas l'effet de com, est-ce que c'est pas en fait les personnages qui étaient vraiment dans le jeu normalement Peut-être. Peut-être. C'est peut ce que c'est ce que je me dis. Et euh, pour la suite, pour le season pass 2, bah là on a des fuites comme Sogetsu, ouais. le gars de l'eau Ouais, donc c'est le frère de, 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 de Kazuki Kazama, c'est voilà. genre le feu et l'eau, les deux perso, c'est ça, hein. pour ceux ça. qui n'auraient pas joué euh, depuis un moment. Ça veut ouais. dire que lui, lui, il a un style de jeu un peu plus posé que l'autre, l'autre c'est le feu, il est nerveux, il est un peu... Euh, voilà. Il est plus... Tu euh... méditerranéen, on va dire. Tu méditerranéen. méditerranéen. <laughs> voilà, <Okay. rire> je vais pas dire autre chose. Voilà. Et donc, Mina euh, Magikina, on rappelle, c'est celle qui est de Samurai Spirit 5 qui voilà. se bat à l'arc. Ça. Voilà, alors elle, moi j'ai déjà testé dans le 5. Ouais. Le corps à corps, faut oublier. Ouais, c'est la sur un bouton un peu, elle. Hein. Voilà, ouais. c'est que du zoning, sinon le personnage au corps à corps, il peut rien faire. Ok. Très bien. C'est à peu près tout ce qu'on a sur le jeu pour l'instant Ouais, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Moi, j'attends des news de Kof, euh, 4, euh, KOF 15. Ouais, qui a été annoncé également. Alors, euh, Prosk... on a bientôt le jeu qui sort sur PC aussi. Euh, oui, c'est vrai, mais ah, oui. pour le coup, c'est pas, pas très clair encore les dates. Non ouais, c'est compliqué ouais, un peu. Euh... Un peu ça, ouais. euh, on va passer la main à Pros, que tu veux nous parler d'un truc doré et bien dur. C'est ça, c'est ça dont j'ai jamais en fait je trouve jamais trop le bon moment pour en parler donc autant le faire qu'on a déjà des 000 trucs à raconter euh, <laughs> c'est le Golden Lever qui est donc un joystick euh, coré non même pas coréen indonésien qui est développé par un mec qui s'appelle Wazoos, qui est déjà connu de la commu un petit peu parce qu'il traîne sur la CR4 depuis un moment et qui faisait des sticks en plexi ça fait quelques années qu'il bosse sur un stick donc coréen hautement customisable toutes les pièces sont faites en laiton on peut absolument tout interchanger c'est-à-dire qu'on peut bouger individuellement la position de chaque switch on peut changer il y a différents diamètres de tiges qui sont en laiton y a différents diamètres d'actuateurs, c'est l'espèce de rondelle en bas du stick qui vient taper contre vos switches donc plus elle est large et moins vous aurez de course, il y a un roulement à billes dessus pour réduire la friction avec les switches on est vraiment dans du gros stick de luxe euh, il y a pas mal de joueurs coréens qu'on a vu avec on peut citer Ni, Loai, Ding, Ranshu qui ont essayé, il y en a pas mal qui ont gardé ce stick, euh, Voilà, ça coûte 130$, dollars. c'est un Je peu du grand luxe en même temps, voilà, quand on rajoute ce prix-là, un stick normal pour avoir des LED ou des conneries dans le genre, je pense que c'est un bien meilleur investissement. En revanche, fait, tout, tout est fait à la main et contrôlé à la main, c'est régulièrement en rupture de stock. Mais euh, le produit continue à être suivi. Là, il fait des versions avec des métaux un peu moins précieux, je pense, pour aussi baisser un peu les coûts. Euh, voilà, c'est à surveiller. Et il y a un site, donc vous pouvez chercher le goldenlever.shop ou sa page Twitter, et vous pouvez les commander sur internet. Alors, ce qui par contre ne risque pas d'arriver de si tôt sur internet, c'est le jeu de bastion de Riot, donc les créateurs de League of Legends, qui ont. Euh, C'était quoi les 10 ans de League of Legends, tous les 10 ans de Riot euh, récemment Les ouais. 10 ans de LOL. C'était ouais. un peu les deux en même temps, ouais. mm. Et pour l'occasion, donc, ils ont un peu dévoilé tous les jeux qu'ils avaient euh, en, en développement. Et parmi les jeux qu'ils ont en développement, ils ont évidemment le fameux jeu de baston dont on attend, League of Fighters, qu'on attend depuis 2015, je crois. Euh, bon, il bah, y a pas grand chose à en dire du peu qu'on a pu voir. C'est un Street Fighter, il y a de la barre de super, euh, c'est un jeu 2D. A priori, si on regarde à côté des barres de super, il y a des icônes propres à chaque perso, donc ça voudrait dire potentiellement un espèce de V-trigger ou un truc comme ça pour chaque personnage. On n'en sait pas plus. Euh, globalement, le développeur, euh, les développeurs ont dit bah en fait, euh, rendez-vous dans longtemps parce que là, on, on commence tout juste le développement. Donc je sais pas ce qu'ils foutaient ces trois dernières années, mais ils ont probablement dû prototyper. Beaucoup. Par contre, ceux qui perdent pas du tout de temps, Flashou, c'est euh, les gars de Power Rangers Battle for the Grid. Et oui, parce que on a un season pass qui est sorti, donc avec euh, euh, Trey de Triforia, donc de Power Rangers Zeo. Nous avons Jen Scott de Power Rangers Time Force. Lord Z, bah c'est les traditionnels Power Rangers j'ai envie de dire. Et donc on a aussi un nouveau Season Pass, euh, Saison 2 pratiquement, avec qui sont déjà sortis euh, Dougie Kruger donc de Power Rangers SPD, euh, Eric Myers qui lui aussi est de Time Force, et Daishi qui est de Power Rangers Jungle Fury. On va vous préparer un petit first attack là-dessus avec euh, ah je ne cite pas de nom comme ça ça restera un peu obscur et mystérieux parce qu'on a testé une feature très intéressante qui est le Steam Play Together donc en fait c'est peut-être un peu plus de ça dont je vais vous parler c'est une fonctionnalité qui a été lancée il y a, il y a très peu de temps par euh, Steam qui permet quand vous avez un jeu de de streamer entre guillemets votre euh, votre partie et en fait vous le streamez auprès d'une personne euh, via l'interface de Steam c'est assez facile à lancer et donc, l'autre personne joue en player 2 local. Donc, si votre jeu a une fonction de jeu à deux en coop local ou en versus, bien vous pouvez, comme ça, même si la personne n'a pas le jeu, faire des petits matchs. Alors, évidemment, en termes de fluidité ou autre, c'est pas magique. Si vous voulez jouer à la frame, vous n'allez pas forcément trouver votre compte, à moins vraiment que vous ayez des bêtes de connexion de part et d'autre. Parce est plutôt une bonne machine, je pense aussi. Mais euh, pour des petits jeux bah, comme Power Rangers, c'est pas non plus euh, super critique d'être euh, très 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 précis, bah, ça fonctionne bien, ça permet de, de tester ensemble. Et euh, je trouve que c'est pas mal euh, pour euh, les joueurs en jeu de baston qui veulent tester euh, plusieurs choses, mais qui n'ont pas forcément envie de lâcher euh, 20 balles, 30 balles à chaque fois, même, même pour des petits jeux. Et euh, voilà, pour les communautés, ça permet de se faire euh, peut-être un catalogue mutualisé de jeux. Enfin, on peut tout imaginer à partir de là, mais Steam Play Together, c'est vraiment intéressant. Il faut, faut voir si ça se développe. Et donc, ben, on vous en parlera, et notamment dans le First Attack sur Power Rangers Battle of the Grid. Et à propos de First Attack Pros, que tu voulais rappeler quelque chose Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de pif, du coup on a quand même deux trois actus entre temps, même pas 3, mais on a quand même un First Attack Kill-la-Kill like Kill qui a été fait par Legacy et Flashou cet été après la sortie du jeu. Et on a mis en place une carte des assauts de jeux de baston en France que vous pouvez retrouver euh, si vous avez le courage de creuser sur notre compte Twitter, mais on va peut-être faire un retweet euh, voilà, qui peut vous permettre de trouver une assaut près de chez vous pour ceux qui ont participé et s'inscrire sur la carte autrement vous pouvez nous contacter sur bagro.point ou sur directement sur mon Twitter et je vous ajouterai. Voilà. Alors on précise trouver des joueurs uniquement si vous n'êtes pas dans la diagonale du vide, c'est-à-dire euh, oui, oui. perdu à l'est de Paris quoi. Alors voilà. ça, sachez que l'est est très actif sur cette carte. On, on, on s'y attend pas mais en fait il y a des gens à Nancy, à Strasbourg et jusqu'au Luxembourg. Donc n'écoutez pas ces mauvaises langues de bretons <laughs> qui font genre parce qu'ils ont à peu près deux assauts par ville, il y en a dans le reste de la France. Voilà. Ok, alors ce qui reste, il en reste beaucoup également. Ce sont les sorties de DLC et là, il va falloir que le GACI active l'ultra instinct puisque attention, il y en a un paquet de persos et de trucs qui sont sortis en DLC ces derniers mois. Le c'est à toi. Alors euh, c'est pas ma faute, moi j'ai dit qu'il fallait le faire avant le pivot actuel. Je sais, je sais, mais vas-y, on a confiance alors. en toi. Chut. Donc, Seul Calibur euh, saison 2, Hildé vient d'être annoncé, incroyable, un perso de chiasse de plus. Euh... Voilà, donc Hildé, si vous vous rappelez pas, c'est une espèce de princesse avec une épée et une lance et elle se bat, c'est nul. Et elle est trop droit... bien, Hildé, parle Ildé pas mal. C'est Jeanne d'Arc. Est-ce euh... que j'ai le droit de parler Moi, je voulais Viola. Oui, il y a un autre mec aussi qui voulait Viola. Euh... <laughs> Prince Joker, joke. voilà, désolé, s'il vous désolé. désolé. Alors, euh, donc ce calibre <laughs> saison 2, donc on aura bien sûr ma saison 2 des nouveaux coups, un nouvel équilibrage, euh, une refonte limite complète du système. On a eu Aomaru qui a, qui a été annoncé, donc il aussi et on a eu Cassandra qui est sortie entre-temps juste après l'annonce. Euh, te Alba, testerai. voilà, Alba vient de la tester. Alors au niveau de ma mère, ça se passe comment C'est petit. Ah, dommage. On passe, donc... En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je trouve que ce jeu, ben... en fait, c'est bof. J'étais très... manque d'originalité, c'est D'ailleurs, pour revenir sur Soul Calibur saison 2, vous pouvez choper le jeu en Vania sur le Home euh, Bundle euh, Oui, le 12€. Bundle Monthly. Ouais, je sais pas voilà. quoi. Ouais. Bundle, un um, Bundle voilà. Pour 12 dollars, vous avez Soul Calibur 6, mais surtout... Yakuza 1 qui mis sur PC. C'est donc... un très bon bundle. Ouais. Très, ah très oui, bon. c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Voilà. Non, c'est ah, pas bon, c'est sur PC. Allez la suite. Ensuite, on rachète sur Grand Blue Fantasy versus Vivement qui sortent ce jeu. Je n'en peux plus. <laughs> euh, donc, il y en a eu trois persos qui ont été annoncés récemment. Donc, Percival, euh, Zeta et Vazaraga qui ont été annoncés ensemble. Donc, euh, voilà une, une... Petite meuf qui fait du feu, j'ai l'impression, et Vazaraga, un espèce de. Comment ça comment il s'appelle De jeu As... ouais. plus un Astaroth, mmh. plus Astaroth, Dark, avec une faux. Euh, on a eu le raster complet, donc le jeu est toujours prévu pour le 6 février au Japon. Apparemment, ils avaient parlé d'une sortie globale, mondiale, on n'en a toujours pas plus d'informations. Par contre, le jeu sortira donc avec 11 persos, ce qui est quand même un roster assez petit, mmh. mais ils ont prévu une quinzaine de personnages en DLC, sachant qu'il y a déjà donc, euh, le premier. Euh, le premier pack de DLC qui donnera donc euh, 5 persos. Euh, ils ont prévu une fois et demie le nombre de persos de base. Donc on ouais, peut tabler bien. sur 11 persos. Le jeu finira donc sa vie. Euh, naturellement, si, si le jeu a plus de succès, ils en rajouteront. Mais de base, il, le jeu est prévu avec 26 persos. Nous en sortir 11 au début, je trouve ça un peu. Bah ben oui, mais un ça peu, veut dire, Un le, peu gonflé. Le, le, le jeu, tu le vends combien Avec balles Ah c'est 60 balles. Ah c'est 60 balles le jeu. Après Alors... niveau contenu, il a l'air d'être blindé. Il y a un mode RPG, il y a un mode machin, etc. Mais c'est oui, vrai il y a un que. Un mode RPG gacha qui va te tenir des années à faire du farm complètement brainless. Parce... Voilà. Vrai, Alors après, euh, Grand, Grand Blue Fantasy Versus, on est d'accord que c'est un gacha à la base. Donc soit, enfin si, si, on, si on est radin, on est radin. Hein. C est, c est ce c'est un jeu pour les gens qui payent. Si tu veux la totalité de tout quoi. Euh, non, mais alors après, il faut, il faut dire un truc, c'est que Grand Blue versus un gacha. Donc, un gacha pour avoir un perso, euh, une multi, c'est dans les 30 euros. Donc, là, 5 euros, tu as ton perso, déjà, on est plus rentable. Il y a le mode RPG, comme on dit. Moi, s'ils veulent faire, ils peuvent faire une FIFA. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre un mode effuté dedans ou tu as le mode RPG qui est hyper complet et tu peux looter, au lieu de looter les personnages que tu achètes, tu peux looter les équipements. Et là, c'est mmh. la fin. Hein. C'est le milliard de yens qui rentre. On verra. <laughs> Bref, dans tous les cas, Grand Ball Fantasy, euh, le 6 avril au Japon. C'est février au Japon. à voir chez nous, toujours pas de date. Euh, on, DBFZ, toujours artiste, DBFZ. Gogeta est sorti. Et comme j'avais annoncé dans le podcast, il, est il sera. Il est A. Ce n'est est pas Godchair, mais il est fort. Il est magnifique. Et, et on a eu des images donc, de Broly DBS, euh, lui aussi qui a l'air vraiment pas mal du tout. Sachant comment Broly est débile, le Broly original est débile dans le jeu, j'espère qu'il sera un peu plus euh, corps à corps que le Broly, euh, de, Broly de base, qui, qui spamme ces trucs, c'est complètement débile. Euh, il est très très beau, très très bien fait, on attend le trailer. Euh, Bubitag, donc lui qui accueille plein de persos, la plupart on les connaît même pas. Il <laughs> euh, de deux liste, Adachi, Elisabeth de Persona 4, Akatsuki de Blitzkamp, de Blitztank donc le, euh, le meilleur... Le perso, héros et le, tank, le meilleur quoi. perso. Voilà. Le meilleur perso. Et j'ai acheté le jeu là ah. ce week-end. Oh putain, ouais. Alba mais t'achètes tout, quoi. Je, je, je l'avais vendu, je sais pas, j'ai vu un trailer. En plus, j'avais acheté le DLC qui coûtait plus cher que le jeu, je crois. Oh, <laughs> mais c'est incroyable, mais, mais comment Ta gestion de l'argent, c'est incroyable quand même, quoi. Euh, Ça, Lumi de Sengren Kagura, donc la pire licence du monde, Celica et Susano de BB, donc la deuxième pire licence du monde, Neopolitan de Ruby, donc la troisième pire licence du monde, <laughs> V2 du jeu avec gros équilibrage prévu pour le 21 novembre. Donc si vous êtes les trois en France qui jouent à ce jeu, soyez excités Flashou, il y joue. Ah bon Flashou, tu joues ouais. à BB Tag euh... Un petit peu, ouais. ouais un petit voilà, peu. Ah, tu vois. Donc Flashou, lui, il va acheter. J'ai déjà acheté, je joue pas. Mais Bachou, pas pas Bachou, pas, pas toi. Alba, c'est parce que quand on parle d'acheter, ça te concerne pas forcément, tu sais. <laughs> D'autres personnes achètent des choses dans le monde. Alors, est-ce que donc un autre perso que vous n'avez pas acheté, c'est Abanf de et Spike euh, Spike pour Blade Stranger, Pia de Doki Doki Poya Kyo et euh, Umii ver... Kawase C'était le dernier perso qui était ah, pas à moitié à Welp dans Blade Stranger, donc voilà, c'est rétabli. Et là, on ah, c'est une, une on version Welp. Melicasi, t'es en forme aujourd'hui. Ouais, Bon, euh, un autre jeu qui est en forme c'est Unist qui Unclear donc <laughs> qui sort le 20 février 2020 aux états unis pas d'info en Europe euh, P-Cube hop 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 une version presse là <rire> euh, <rire> donc rappel de ce qu'amène la version Unclear c'est Unclear mais c'est clear donc rééquilibrage nouveau coup pour tout le monde et un nouveau perso Londreka voilà bon le perso est décevant ouais un petit peu quand même ouais. euh, P-Cube hop 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 <laughs> hop 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 euh, Dead or Alive 6, donc Dead or Life 6 qui s'est permis une petite tonte en disant euh, Nous, notre frame data, elle est gratuite. ouais, ouais mais il ouais. y a 1600 euros pour tout avoir dans le jeu. Ah, <laughs> voilà. Donc il y a Momiji qui a été annoncé. Euh, Momiji, c'est les fleurs, l'érable. Les, 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 les non c'est les, oui, les, les, ah non, non, les fleurs les fleurs d'érable non c'est les feuilles oui, je... d'érable <laughs> tu voilà, mélanges les fleurs et les feuilles les fleurs d'érable voilà et le season pass voilà donc celui-là il va coûter 80 balles le troisième précisons c'est le troisième season 3e, pass 3e, oui. il coûtera 80 balles et il y a quasiment que des costumes dedans je crois Bref. comme ouais, tous voilà. les DLC de Dead or depuis Dero... oui, ouais, je de vous voilà. rassure j'ai rien acheté sur Dead or Pour parfait pour dire que même Alba il a rien acheté est-ce est que tu veux dire que t'as pas acheté encore et que potentiellement non. Euh... je pas sais pas il y a quand même le fait qu'on peut avoir le perso en free to play et acheter le jeu perso par perso si vraiment genre on est intéressé par les meufs en kimono des trucs comme ça tu vois en kimono oui bien sûr oui. on est intéressé par les meufs en ouais. kimono bah ouais. oui non, mais en plus je trouve que le jeu il a le mais... même problème que sous calibur en vrai Ouais ah, non mais s'il y a pas de volet ça m'intéresse pas <laughs> bref Smash Bros qui a reçu le héros de Dragon Quest. Franchement, je me suis nourri de ce drama de l'héros de Dragon Quest. Euh, <laughs> ça m'a tenu un <laughs> mois et demi. Ouais, bah, ouais, je bah, me suis vrai. nourri presque tous les jours sur Twitter et Reddit. Et maintenant, on n'en entend même plus parler. Mm -hmm. On a eu Banjo kazooie qui est sorti dans une espèce d'indifférence au niveau compétitif, j'ai l'impression. Ah, si euh, en... Ban Banjo, il a un petit truc, il a un side B apparemment. Je l'ai vu en tournoi ouais, euh, récemment. Là. Il, il, fait, il fait un peu chier quand même. Ouais, parce que c'est avec les Golden. Euh, les, 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 les... Les plumes d'or, ouais. où en fait il, il avance, ouais, ça a l'air pas mal. Et il est invincible. Voilà, le jeu de. J'ai quelques vidéos, je regarde, je ne l'ai pas vraiment vu, je ne le vois personne se plaindre. Donc je ne me suis pas autant nourri sur Banjo que sur le héros Dragon Quest. Mm -hmm. Et donc bientôt, Terry Bogard, le, le personnage ne devrait pas tarder à arriver, à on on, ben, au jour où on enregistre, on est le 4 novembre, parce qu'on a eu euh, la notation SNK dans des fichiers dataminés mm -hmm. du jeu, de la dernière mise à jour. Mm -hmm. Et puis donc. Tu parles rappelle... du Pokémon musclé Ouais, le dresseur Pokémon, ouais. Pokémon musclé, ouais. <laughs> c'est voilà, les, les jeunes japonais ont l'impression que... ça le rappelle euh, Sacha en musclé. Enfin, ouais. pas Sacha red de, de Pokémon. Et, et je l'ai fait avec un de mes neveux et, et je lui ai dit que c'était Sacha musclé ou je ne sais quoi, il l'a cru. <laughs> oh, c'est honteux, c'est honteux, monsieur. Quelle éducation vous donnez aux jeunes Ensuite, donc, on enchaîne avec Breakers, un des ouais. meilleurs jeux de Meilleur Pokémon. Meilleur, Meilleur jeu, Breakers jeu. Revenge. Breakers, donc Breakers 96 et Breakers Revenge de 98. 98 meilleure année de l'histoire de l'humanité. Euh, 98, voyons. Mais tout 98, <laughs> Zizou, tout. <laughs> euh, donc ça va ressortir sur PC et console. Alors c'est géré par une entreprise qui euh, est spécialisée dans ce genre de... de, de portage. De, hein. de portage. Mmh. Donc c'est euh, Cubite voilà, qui s'occupe de ça. On les a pas vus, on les a vus sur un, un shooter, mais pas sur un, un Versus. Donc, ils ont, ils ont dit vouloir ajouter donc, des fonctionnalités. On imagine euh, du online ou des choses comme ça. Ouais, du training, à... probablement aussi. Ouais. Mmh. Voilà, des, des, des options assez basiques sur un jeu de, de versus aujourd'hui. À voir comment ils vont traiter ça. Est-ce qu'ils sont compétents ou pas Je mmh. leur mmh. ah, ai foutu la plus... pression sur Twitter pour info. Ah, ah bien, ah, mon donc, gars, sûr. La pression, coup, la la coup, pression qui, ça qui a fait changer Samurai Spirit, on rappelle. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. <laughs> donc, euh... ouais, on en parlera tout à l'heure. On fera, donc on peut vous déjà vous annoncer un, F, un mini FA sur euh, Breakers Collection. Donc, euh, Cubite si vous vous écoutez, hop hop hop, la clé. Et je suis bien chaud pour ce FA parce que c'est mon jeu. Achète part, ouais, On n'a pas besoin de te, envoyer, te le dire. Non, 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 on, va le demander, on va demander, on va on demander. non, Alba, il achète. C'est bon, oui, oui, la, oui, oui, la fin de l'année. Euh, All I want for Christmas is Breakers <laughs> Revenge. Ah, Alba, Alba, il a son 14e mois qui arrive, donc c'est bon. <laughs> ah. Alors, MK11. <laughs> <laughs> le, vieux... le gros blanc. Moi, j'adore le Terminator. Quoi est... Le... Euh, non, mais le es... Terminator, oh, La licence. La vraiment... licence. Ah, oui, c'est ouais. vrai licence, que aussi j'aime bien. Les... Je vais dire, t'es vraiment un cul putain. Le jeu, le jeu est sorti. Enfin, le perso est sorti. Euh, gra... Enfin, au niveau de son modèle, il est propre. C'est oui, choisi. Le doubleur est moyen. Je vais pas dire nul, mais il est moyen. Par contre, les animations, c'est scandaleux. On sent que. C'est un Terminator en même temps. Non, 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 euh, il y a des robots qui sont stylés, non, même Rise of the Robots, c'était mieux animé. Euh... <laughs> euh, donc le, le personnage est décevant, on sent que NRS prend vraiment cher sur la... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent cher par rapport à leur histoire de, de QA, d'employés maltraités, mmh. etc. Donc euh, ça se voit que les, le, le Season Pass ne sort pas déjà au rythme habituel NRS, les persos sont extrêmement euh, séparés, donc ce qui tue la durée de vie du jeu, parce qu'à chaque fois qu'il y a un perso, il y a de la hype, etc., donc euh, voilà, sachant qu'un nouveau MK sera annoncé, vu, mais le MK11 était le dernier de la mainline. On enchaîne avec la Switch, et oui, cette petite console que vous n'utilisez plus. Euh, Schoolgirls est sorti dessus, donc encore un jeu que vous ne jouerez pas. Ah, je conseille par contre vachement parce que le, 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 le jeu, c'est la version ultra complète. Il y a tout dedans, donc il y a tout le story mode, il y a tout le mode. Euh, il euh, y a tout le mode défi le mode entraînement etc et je crois qu'il y a le double doublage il y a le doublage anglais et le doublage japonais donc en plus si vous voulez euh, des voix plus stylées que les voix enfin les voix américaines étaient bien de base non, mais, ça si va, sûr, mais franchement il euh, y a aussi le il y a aussi le doublage japonais qui est vraiment stylé donc euh, voilà n'hésitez pas c'est un bon un bon package quoi tant qu'il n'est pas à 2 euros ça m'intéresse pas ok euh, roof rage aussi qui est sorti sur switch là par contre il faut soutenir c'est français cocorico strasbourgeois même Strasbourg alors moitié français <laughs> donc, euh... français Ouf. mais c'est cul à 100% ouais, c'est voilà. tendu il y, a... y a une flamme cuche quand même à mon <laughs> euh, donc c'est sorti c'est stylé c'est euh... ah, smash en bien c'est sur des poids ça se bat voilà c'est stylé ça, co ça coûte combien euh, pros je n'ai pas regardé je ne saurais même pas dire je pense que c'est une quinzaine d'euros ouais, même, si même si c'est 20 ça les vaut même si c'est 20 ça les vaut voilà euh, ça devrait être le logo on remplace Game Cult et enfin le meilleur <laughs> jeu pour la fin Last Fight tiré de la licence Last Man qui sort le 22 novembre, sachant que Last Man, le dernier tome, sort le 20 novembre et mm -hmm. profite de la hype du dernier tome pour euh, sortir le jeu. Donc le jeu était sorti sur Steam à la base. Euh, on espère un peu, euh, des quelques petites améliorations, des équilibrages de gameplay, etc. Mais comment ça tu parles d'équilibrage Eh ben je suis champion du monde sur ce jeu, il faut Quoi le savoir. Je suis champion de l'univers sur ce jeu, indétrônable, indétrôné. Et donc, euh, il faut l'acheter. On va vous faire un FA parce qu'on a, logiquement, on doit recevoir la clé. Ah bon donc, FA prévu sur la fight. Oui. D'accord. On a et... pris le contrôle de BGP. Tu... Qu'est-ce que tu vas faire Ok, d'accord. Bon, ok. Pas de soucis. Voilà. Ok. Bon, et bien, c'était l'actualité euh, du jeu de baston ces derniers mois. Vous voyez, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. On va pouvoir passer aux chroniques. Et non, attendez. Avant ça, on a le retour du quiz et ce n'est pas la tournante. De Chine, c'est autre chose. C'est le gang-bang de Netan. <laughs> Question pour la baston où on va tester les connaissances de, 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 des gens présents dans ce podcast. J'ai à dire que je suis dans une vague nostalgique là avec ce. Ah ouais, la euh, Madeleine ouah. de là. Ah. Vous je avez pas. Gamin, alors, je pense alors. que vous avez pas reconnu au début et puis vous avez fait ah. Non mais moi j'ai reconnu direct, j'ai grandi avec ça. Mais par contre, euh, du coup, tu t'appelles comment, Julien, euh, Julien Casgarde ah, <laughs> Julien Lepif évidemment ah, euh, je, Julien Lepif je suis là pour vous présenter et vous poser des questions alors j'ai une, deux, trois, quatre, La cinq, six, noire. sept huit questions <laughs> <laughs> j'étais sûr que ça j'ai huit questions à vous poser euh, c'est simple quand euh, vous voulez répondre vous faites le bruit du beeper de questions pour un oui. champion je vous rappelle le son c'est ça oui. voilà okay. euh, donc n'hésitez pas on, On est parti. nous envoyer le son. Ouais, ah, mais c'est un peu compliqué. Il faut, faut faire des trucs après dans Mumble pour le jouer. Ah, c'est un peu compliqué. Ouais. Okay. Alors, dans ces questions, il y a des jeux, il y a des persos, il y a des trucs un petit peu bizarres. J'espère que vous êtes prêts. Tout le monde est prêt ah oui, 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 oui. Allez, c'est parti. Top, je suis un jeu de combat sorti au début des années 2000. Projet maudit ayant souffert de nombreuses années de développement. Oui. Descargo. Euh. <rire> <rire> euh, nombreuses années de développement. Attends, j'ai oublié d'ailleurs de te mettre. Voilà. <laughs> nombreuses années de développement. Abandonné par mon créateur, puis repris par le sémillant Yoshinori Ono. Je suis un crossover oui. de Ping. <laughs> fighter. Ah non. Ah non, mais je suis. Repris fou. par le sémillant Yoshinori Ono. Je suis un. <rire> non, <laughs> c'est pas celui-là, oui. <laughs> euh, street Cross Taken non plus. Non. Ah non. <laughs> oh, j'ai Je suis un crossover de plusieurs licences de mon éditeur Capcom et malgré le désamour qu'on me voue, qu'on me j'ai tout de même oui, été au tout qui All oui. star je oui. sais pas quoi. il mmh, faut préciser monsieur. Il ah, y a Blair tout ça dans je sais pas comment il s'appelle le jeu. Dans 3D tout moche. <laughs> oui. Capcom versus Kakao. Non. <laughs> ah non, non, je sais. Je « Malgré dire. le désamour comme vous, j'ai tout de même été au Tougeki, je suis, je suis… Oui, »« Capcom All-Star <laughs> »« Et c'est la bonne réponse <laughs> !»« oui, oui, En fait, j'ai confondu euh, SVC Chaos et All-Star, je voulais dire All-Star, mais… Ouais, ouais. »« C'était Capcom, Capcom Fighting Jam !» Dans son nom japonais. Si vous oui, vous mais All-Star chez nous. Oui, All-Star chez nous, oui, c'est bien oui, ça. Je l'avais, je ah, l'avais. Je... Ça, ça fait donc un point pour le Legacy. Pour préciser, il y a 4-3-2-1 comme le 4 à la suite De quoi Il y a 4-3-2-1 comme le 4 à la suite ou c'est un point, un point Là, vous un êtes point, en un train point. de vous rendre compte qu'il okay. connaît <laughs> vraiment le jeu, là. On est tous <laughs> d'accord pour... Euh, voilà. <laughs> non, non, il connaît pas. Allez, on est reparti, vous êtes prêts Autre question Top, je suis un chroniqueur de bas gros points de l'équipe actuelle D'un naturel passionné J'aime particulièrement la série Sainte Seiya Que je ne cesse de citer Brrri Ah non c'était moi Alors Legacy <laughs> Alba Dont je ne cesse de citer Brrri les louanges Attendez je reprends <laughs> Dont je ne cesse de citer Brrri les louanges dans le Discord Fashionista mais pas trop J'achète tous les DLC <laughs> 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 Bravo Alba c'était bien toi <laughs> Voilà <laughs> bravo Alba, bravo bravo. Allez on continue. Question plus facile celle-là. Je suis un personnage de jeu de combat apparu en 1994. J'ai la particularité d'être le personnage le plus impopulaire de la série d'après mon créateur. Même si je réussis à revenir dans six autres épisodes de la série, dont Dre, Dream Match, je suis désormais personne dont Grata est en voie d'extinction. Je combats en portant un slip de sumotori. Je suis, je suis. Oui. Go. Oui. Dring, dring. Oui. Onda. Raté. Onda. Personne ne l'a trouvé. Je suis Ganryu dans Tekken. Ah ouais. euh... Je pensais aussi. Voilà. Ouais. Dommage, dommage. Allez, on continue. <laughs> Donc, zéro point. Comme ça. Top, je suis un personnage de jeu de combat 2D apparu dans le courant des années 2000. Sorte de némésis du héros de la série. Je suis d'un caractère violent et impulsif. Brim. Oui euh, H Non. Brim. Oui, Alba K, je sais pas combien, 99 Oh Bravo Alba, <laughs> deux points! Et oui, je suis capable de me transformer malheureusement trop inspiré d'un autre t'sou. personnage du film d'animation. Je suis désormais persona non grata dans la série qui m'a vu naître au point de disparaître des artbooks. Nameless? Ça... Ouais, ma... il Nemless. est devenu Il est pire en Ah, oh, les deux se valent. Vous êtes prêts? Attention, cette fois il faut deviner un jeu. Top, je suis un jeu de combat 2D sorti en 2019 sur Steam, d'un design particulièrement hideux, mais au gameplay. BRIN! Oui. Euh, battle of the God, là. God, oh. uh, God, 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 God Battle, là. God Fight, Fight God. Ah, C'est pas, du... pas ça du tout. Bon. Particulièrement hideux, mais au gameplay exigeant et agressif, je suis l'œuvre absurde d'un unique développeur japonais totalement oh. fou. Ouais. Ultimate Fight Dakaranta 2. <laughs> Ah, ouais. ah, ouais, ah, ouais, alors, ouais, moi je voulais dire Quentin Mais le mec il est, tellement, il est tellement bon Il sort le nom complet quoi <laughs> Bah oui les gars ah. ils sont sur Steam Mon casting composé pêle-mêle d'ours en salopette De chants kimono ou de femmes champignons Peut surprendre Mon titre indique qu'il s'agit du second épisode de ma série Mais le premier épisode n'existe pas Je suis bien Ultra Fight Da Kianta 2 Avec Dantarion qui est champion de l'Evo là-dessus Exactement Ça fait un point pour Prosk Alba mène toujours à deux points Lugessi et Prosk sont derrière Alors on va arriver dans les questions un peu plus difficiles un point aussi, oui, c'est bien ce que j'ai dit. <laughs> Le gâchis, un point. Alors, mmh. il faut falloir deviner trois jeux plus ou moins obscurs. On va tester votre culture. Top, je suis un jeu de combat 2D sorti en 1995 sur Super Nintendo. J'ai la particularité d'avoir été développé par James Goddard, un ancien de Capcom USA. Demine. Ouais, il a raste hein. 95. <laughs> est pas sur Super Nintendo. Ouais, mais c'est pas celui-là. Un ancien cap commissaire, responsable entre autres de Street Fighter de Hyper Fighting et du personnage Vrai. de DJ. Oui. Wargood. Mm. Ah. <laughs> <laughs> du personnage de DJ mais aussi de Killer in 2012. Précurseur sur bien des points, j'aurais paraît-il inspiré Namco pour Soul Calibur. Dès 1995, j'avais un mode online et mon univers était inspiré de la Dark Fantasy avec des barbares, des monstres à plusieurs bras et des grosses Vrai. haches. Je suis, oui. Mais The Dark Age. Je suis, je suis personne. Ah, je suis Weapon Lord. Ah, mais mais j'ai pensé à lui. Oh. C'est un jeu de Namco ça Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Ce n'est pas un jeu de Namco. Weapon euh, Lord. Truc fantasy, fantasy, ouais, là, que, fantasy. Genre, avec Il y a des, des Conan, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Zéro oh, exactement. point. Allez, un peu plus facile si vous avez un peu de culture des mauvais jeux des années 2000 Top, je suis un jeu de combat 3D sorti en 2010 sur Xbox 360 et PlayStation 3. D'un style réaliste et offrant une variété de personnages aux origines et styles de combat fort différents, j'ai pour particularité d'avoir des coups pouvant tuer instantanément, ainsi que des décors mortels. Jeu licencié d'un show télévisé visant à déterminer quel guerrier est le plus fort, j'ai eu trois suites. Ouais, c'était qui qui a dit ça Deadliest Warrior ah putain. Ah, je connais, mais enfin je vais du Bravo, Prosk, deux points pour Prosk. Oh là là. Prosk et Alba. Donc, oui, Deadliest Warrior, show télévisé visant à déterminer quel guerrier est le plus fort. Il y a eu trois suites. Il y a même eu un tournoi au Fest où Monsieur Karate a gagné avec un Pygmé. Euh, les match-up étaient aussi variés que Viking versus Samouraï ou Pygmé versus <laughs> Chevalier. Voilà, c'était Deadliest Warrior. Je vous conseille L'émission mission enfin... ça a crevé de rire. <rire> La mission est très bonne, ouais. Et enfin, dernier jeu. Un petit indé, aussi année 97 fois. Top Je suis un jeu de combat 2D sorti en 1997, exclusivement au Japon, en arcade et sur Sega Saturn. Unique jeu de la compagnie qui m'a créé et édité assez bizarrement par Electronic Arts. Tous mes personnages possèdent un stand à base d'animaux façon Jojo Bizarre Adventure de la SPA. Coloré et kawaii, mes sprites sont particulièrement réussis et mon casting est très varié. Mon nom est composé d'un seul mot faisant référence à un animal que Prosk affectionne beaucoup. Je suis... Je Brille. suis... Je pas me avec les gros yeux là Fighting Bunny. Allez, je l'accorde. Ah non, attends, il y a jeu? un autre jeu qui s'appelle Fighting Bunny, je ne t'accorde pas. Ah, ça va. On a donné K-999, euh, euh, je sais pas quoi. On peut me donner Fighting Bunny. Hein. Non, puisque ce n'est pas, neuf, pas Fighting Bunny. C'est pas, 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 pas du tout ça. Un indice peut-être supplémentaire, euh, c'est vraiment le nom d'un Hannibal, le nom du jeu. Voilà. Rating euh... <laughs> C'était juste Rabbit tout court. <laughs> ah, voilà. Je qu'il y avait Rabbit dans face il y <laughs> dedans, c'est bon. Ok, on me vole. Bon, on le... vole. malheureusement, il y a égalité entre Alba et Prosk, Legacy, je suis désolé pour toi. Vous êtes le maillon faible. <rire> <rire> Pierre Feuille ciseau. Alors on va régler ça autrement Je vais vous trouver une dernière question Qu'est-ce que je pourrais faire Ok, oh j'ai trouvé Dieu. Je sais ce qu'on va faire Vous allez devoir déterminer Lequel de ces jeux N'existe pas D'accord. Est-ce que vous êtes prêts D'accord Alors, entre Battle Master, Dead Dance, Fight Fever et Martial Artist, lequel n'existe pas Je peux répéter le début. Battle Master, Dead Dance, Fight Fever et Martial Artist. Euh, moi, je dirais le deuxième. Le deuxième. Dead Dance. <laughs> eh ben non, c'est pas ça du tout. Continuez. Battle Master, Dead Dance, Fight Fever, Martial Artist. Fight Fever Martial... Euh... Alors Dead Dance. Fight Fever. Dead Dance, tu l'as déjà dit. <laughs> ouais. Ah non, excuse-moi, il y avait quoi Fight Il y avait Faire Battle Fever. Master, Dead Dance, Fight Fever et Martial Artist. Battle Master. Faux. Et toi, euh, Prosk euh, Fight, Fight Fever. Fever. Eh ben non, tous ces jeux existent. Celui qui n'existait pas, c'était Martial ouais. Artist. Bah moi, je me suis tellement dit les mots... Oh, Vous êtes le maillon faible. <laughs> Au revoir. Et ça se terminera donc sur une égalité. <laughs> Sur ce, tu lui, lui donnes un point. Ah, tu vas voilà. acheter des points à un moment, et donc la vie. <laughs> <laughs> Celui qui a donc gagné le quiz, c'est Prosk. Félicitations. Au revoir. <laughs> voilà. voilà. On m'a volé. On t'a volé, mais non, voyons. voyons, voyons. En plus... Et on va passer évidemment à la suite de l'émission. Fort dramatique pour nos chroniques, il y en a deux aujourd'hui, Flashou et Legassi. Alors Flashou, tu veux nous parler d'une certaine catégorie de la population que tu n'aimes pas, c'est bien ça Exactement, et ah, pour tu, ça... Tu veux nous faire hein, une petite Zemmour euh, dans le pif de l'actu, c'est bien ça Non, en fait là je vais endosser mon rôle de procureur de la République Française Flashou. Ah, euh, et en... donc euh, voilà, sonalité, nous sommes dans un tribunal et je, je commence mon audience. Piffer, piffeuse, fighter, <laughs> fighteuse, cher Chine, cher Japon, cher Costa Rica, public chéri, mon amour, bonjour ma furie, salut ma garde et mon shoryu, coucou. Ce mois-ci, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais confronter à la barre un archétype qui nous pourrit la vie depuis bien trop longtemps maintenant. Car si la vie nous mitraille de stéréotypes agaçants au possible, tels que le vampire dandy, la chanteuse de K-pop ou bien le jeune séminariste passionné de bondage, aucune de ces figures tutélaires ne provoque chez moi autant de haine et de répulsion que le sempiternel Ah. Oh. Mais c'est quoi un Choto, me demanderez-vous, commettant ainsi le double sacrilège qui consiste à m'interrompre dans mon propre monologue tout en faisant preuve de la plus crasse des ignorances Allez, je vous pardonne, mais c'est bien parce que c'est vous. Et donc pour répondre à la question, le Choto, c'est facile, le Choto, c'est Ryu. C'est ce perso qui soutient depuis 30 ans l'industrie du jeu de combat et qui est le point de passage quasi obligatoire du débutant. Et oui, parce que le Choto, c'est avant tout les fondamentaux de la bagarre. Avec ses coups, sa philosophie de jeu, on zone, on s'approche, on punit, on adotrape, on combote. Dieu me tripote, que c'est chiant! Je dois vous confesser, mesdames et messieurs les jurés, que je mène cet interrogatoire en vieux briscard et que il n'est pas impossible que ma longue expérience des jeux qui réside sous la austère de la justice ne soit la cause de mon désarroi. Mais pour autant, si vous êtes objectif, vous devez admettre qu'au bout d'un moment, le château y en a marre. Y en a marre parce qu'on se retrouve avec le même plan de jeu, modulo quelques variantes, ce qui serait l'équivalent de s'adonner aux joies du devoir conjugal uniquement avec les trois positions de base et ce, uniquement les mardis et les jeudis. Oui, c'est une référence à Ready Player One. Oh, <laughs> oh j'entends venir au loin les cris barbares et barbants des apostolats du salage passif me dire Mais enfin, Flashou, tu ne peux pas dire ça, voyons, c'est pas pareil. Je vous répondrai plusieurs choses. Déjà, c'est la dernière fois que je tolère ces interventions intempestives dans ma narration. Ensuite, je parle bien sûr des grands fondamentaux et pas de la différence d'input entre la version rouge et la version bleue du perso. <laughs> le château est donc un cancer bien enraciné dans notre genre favori, mais il faut admettre que c'était avant un élément indispensable de l'ensemble, mais qui a fini par dégénérer et menace de nuire au genre alors qu'il en était la source. Et oui, mesdames et messieurs les jurés, que sont les autres persos si ce n'est des réponses au château Car depuis l'invention de ce dernier, la création s'est avant tout concentrée à développer des solutions pour le vaincre. Comment éviter une boule de feu Réduire la distance sans se bouffer un dragon être un perso japonais sans pour autant avoir un bandeau sur le front Tant de questions qui ont conduit à la création d'autres archétypes. Et lorsque ces nouveaux s'affrontèrent entre eux, le jeu de combat fut transfiguré, poilonné. Le jeu de baston avait évolué, était devenu plus raffiné proposait des sensations innovantes et plus belles qu'un concert de Kendrick Lamar à Las Vegas. Mais il restait sur son dos cet affreux stigmate du passé que le choto essayez de le dire, vous allez voir, c'est pas simple. Le château est maintenant devenu une enclume pesant sur le genre, empêchant le développement de toute idée neuve, vu que la plupart des réponses, et quand je dis ça, je parle évidemment de celles qui ont un minimum d'intérêt, ont été apportées. Je ne compte même plus, mesdames et messieurs, les psychopathes qui ont tenté de faire évoluer le château en le rendant encore plus imbouffable. Lorsqu'on demande à des spécialistes, voire figure 1 et 2 ici et ici, ils nous disent que ça n'est pas possible de ne pas faire de château car il manquerait une référence importante pour les joueurs et une porte d'entrée à tout le genre pour les novices. Bah, voyons Ne tombez pas dans ce piège, mesdames et messieurs les jurés, car s'il est vrai que retirer le château pourrait sembler aussi incongru que de retirer Simon à Garfunkel, c'est pourtant ce qui pourrait le plus faire respirer notre genre de prédilection. À cet effet, je souhaiterais apporter au dossier la pièce à conviction suivante. Il s'agit du jeu Dragon Ball Fighter Z, un jeu qui, je vous l'assure, aura son procès un jour dans cette tribunal, mais ça c'est une autre histoire. Ce jeu est une preuve accablante que le château et le jeu de baston ne sont pas aussi intrinsèquement liés qu'on pourrait le croire. Car voyez-vous, mesdames et messieurs les jurés, la méthode de ce jeu est tellement pensée différemment de nos classiques 2D Fighters que la notion même de château y aurait autant de sens que la crème fraîche dans une vraie carbonara. Alors, si c'est possible de faire autrement, pourquoi le château a-t-il la vie si dure Eh bien, c'est malheureusement, mesdames et messieurs, qu'un incroyable coup de théâtre absolument pas prévu va se produire durant cette audience. Si nous bouffons encore du château matin, midi et soir... « C'est à cause de votre complicité passive. » Ah oui, carrément, là, c'est gros twist, fin de saison, toi aussi, tu sais. « Et oui, public. »« Et vous autres, mes corélégionnaires en subversion podcastique. »« Et même moi, le super procu au nerf d'acier. »« Nous sommes complices d'avoir laissé le château mener la danse depuis tout ce temps. »« Il n'y a qu'à regarder le moindre jeu amateur, que ce soit du Mugen ou bien un doujin rempli de jeunes adolescentes cambrées jusqu'à la scoliose, pour réaliser l'ampleur du drame. »« Tout ça, c'est de la facilité tout autant que de la flemme. » Le château nous a embourgeoisés en nous grisant de notre expérience de vieux de la vieille qui n'a pas besoin de prendre chaque jeu pour ce qu'il est, trop satisfait d'attendre d'un jeu qu'il soit ce que l'on connaît déjà. Je demande donc au gouvernement du président Macron de reconnaître cette complicité indigne afin de nous permettre de tourner la page. Pour ne plus voir l'histoire se répéter, nous ne devons pas l'ignorer, mais au contraire accepter le fait que nous sommes restés des années sur nos acquis comme de repas Je précise pour les plus jeunes de nos auditeurs que ça veut dire on a chillé comme des bâtards pour pas se faire tuer. Évidemment, au-delà de cette prise de conscience, qui, je n'en doute pas, suscitera une vive émotion chez les plus vieux d'entre nous et un profond <laughs> chez les plus jeunes, il convient de punir comme il se doit le château. C'est pour ça, mesdames et messieurs les jurés, que je demande une sentence sévère mais juste, juste frame si j'oserais le dire, en demandant le placement immédiat du prévenu là où il mérite, c'est-à-dire en loser bracket. Merci de votre attention, je laisse maintenant la parole à la défense. Ça va oh. être un applaudissement. <laughs> Flashou, bah, ah. il n'a pas exigéré mon FT3 avec Gookie sur Tekken 5. Hein ah. <laughs> ah ouais, je dois dire, je suis pas d'accord, mais en même temps, je joue Ryu dans Street 4, Ryu dans Street 3, Ryu dans Street 5. Que dire, <laughs> Kazumi dans Tekken, qui est un peu euh, qui est un shoto, un hein, quelque part. Quelle voilà. bah. personne, donc, ne, ne veut défendre les chôteaux, euh, ici On n'a pas on besoin, est on est dans de... tous les jeux. On est dans tous les oh. jeux, j'avoue. En fait, je... en Flashou, fait, il se bat, mais contre des moulins à vent, parce qu'on sera toujours là. Nous sommes légion, ouais. nous les shoto. Même pas des moulins avant, des tatsus avant. Ah, oh, oh c'est beau, beau. Mais vous oh, savez, l'important, ce n'est pas la victoire, c'est le fait de mener le juste combat. <laughs> les que j'ai justement. <rire> 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 Mais les, so les Shotos, c'est des personnages de mecs de Tess, Mais bien sûr. C'est des personnages <rire> qui ne <laughs> prennent pas la tête. Mais bien sûr. Voilà. Oui. <laughs> Chaque mec de Tess, il prend Ken ou Ryu, il ne se prend même pas la tête. Non, il il, prend, il prend Ken parce qu'il veut des flammes, c'est pas pareil. Voilà. voilà. Moi, dans mon quartier, c'était que du Ken Ryu. Bah, Pose-toi les bonnes questions. Ouais. Oh. <laughs> Alors, on va passer à la seconde chronique, qui est tout aussi énervée apparemment, puisque Le veut nous parler de d'argent. Euh, oh, pourquoi vous de... êtes des gratteurs de merde Voilà, on, on y arrive. <laughs> ouais, on va... non, mais faut pourquoi de vrai, vous mais êtes faut des gratteurs de merde Alors, peux-tu nous expliquer le, le, la source de ta colère Alors, euh, elle est très simple. Euh, J'étais sur Twitter. Euh, et euh, donc, Arada il a annoncé, comme on avait dit en début de ce podcast, l'option Frame Data, 4 euros compris si vous achetez le Season Pass, etc. Beaucoup de joueurs se sont sentis filoutés, euh, petits filoutés, en se disant Comment ça C'est une option qui a beaucoup de jeux, Skullgirls machin, truc, c'est gratuit dedans, ça devrait être gratuit. En général, je serais d'accord avec vous, on en a parlé euh, quand Tekken 7 est sorti, euh, vous pouvez retracer les, les anciens podcasts le jeu manque d'options d'entraînement. De, 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 de contrôle de son gameplay euh, et, mais Arada n'aimait pas, pas la frame data il ne voulait pas le donner euh, aux joueurs en disant que c'est à eux de le découvrir ça fait partie de la mystère du jeu ça permet au jeu de rester un peu plus longtemps c'était des options valables mais dans un monde compétitif où il euh, y a de l'argent en jeu on veut le maximum d'infos disponibles officiellement c'est ce qu'il a fait il revient sur sa parole c'est quand même énorme de voir un développeur qui accepte la critique et qui change, mais sauf que créer des modes de jeu après que le jeu soit sorti, ça coûte de l'argent. Alors euh, pourquoi vous êtes des gratteurs de merde Parce que vous êtes trop habitués à des jeux qui vous donnent du contenu euh, à la suite. Mais ce que vous ne comprenez pas, et quand je dis vous, faut bien comprendre que oui, toi petit qui a mis sur blacklist Ubisoft depuis 10 ans, oui, tu ne fais pas partie de ces gratteurs de merde. On s'est compris. Mais toi qui te t'adoris de Fortnite et de ses contenus crunchés à l'infini, c'est Mortal Kombat qui a 18 000 modes de jeu faits par des gens qui travaillent 50 heures par semaine, payés moins que moi, je ne travaille pas, je gagne plus. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Donc quand Arada nous offre, nous donne un mode de jeu complet et aussi attendu que ça, forcément ça a un coût. Il aurait pu le mettre gratuit, faire payer le costume Arada, mais ça aurait été un peu... Là, on aurait traité de, de mégalomaniaque. Mmh. Donc, il faut bien comprendre que les ajouts, ça coûte de l'argent, parce que dans les jeux gratuits, vous avez du contenu, l'argent, il vient d'ailleurs. Une, Une réaction, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de faire payer cette frame data Sachant que, on est, on, on, pour, pour expliquer un peu plus clairement, euh, il y a trois modes de jeu, comme tu les as détaillés dans l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a la punition. Euh, il y a, l'apprentissage de la punition. Il y a des combos supplémentaires et le dernier truc, c'est quoi déjà Il y a des combos launchers, je crois, un truc dans le genre. Et donc, enfin, il y a la frame data. Et seule la frame data est payante, c'est-à-dire qu'on peut apprendre oui. à punir dans Tekken sans avoir à acheter la frame data. La frame data empiriquement. Euh, voilà. Donc du coup, ça veut dire que la frame data, même si elle est utile, elle n'est pas spécialement utile pour tout le pour monde. Moi, par ouais. exemple, ouais, justement. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle euh, qu soit payante. Il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse à la frame data ou qui va y jouer avec la frame data et l'utiliser comme si c'était un, un mode d'emploi ultime. Donc, moi, je pense que que ce soit payant ou pas, c'est pas pénalisant. C'est un acharné qui ira l'acheter, cette frame data, à 4 euros. Mais en fait, l'argument des gens qui euh, disent non, non mais ce n'est pas normal que, que je paye, etc., c'est que les gens ont acheté donc le Season Pass pour avoir l'Hero Smith la finale et deux autres persos et qu'on leur avait promis un nouveau mode de jeu. Eux, se sont attendus à du Tekken Ball, le, le, le volet, un hein, Tekken Force, bref, oh, un autre truc. Et on leur donne de la la data. Et d'autres se disent, moi, je, je m'en fous de Zafina, au pire, je paierai Leroy Smith et je vais n'achète que les trucs à côté. Donc, on leur dit la frame data 4 euros. Et bah, ça, râle. Savez, ça râle. Ça râle, ça attaque Arada sur Twitter et je, moi, je comprends pas. Enfin, j'ai encore là, de, dans mon placard qui est juste à côté de moi, un guide Street Cross Tekken avec la frame data qui n'est plus à jour dès le jour 1 et mmh. qui a coûté 30 balles. Ouais, J'ai celui de Marvel 3 aussi. Moi. Voilà. Mmh. On, on en a tous des, des guides qui sortent et qui sont erronés limite une semaine après ouais. que le jeu sorte. Euh, même directement. Euh... Le, tu as ouais. beaucoup d'erreurs de, dans les frame data des officiels. Mmh. Parce que les jeux sont, euh, ils sortent, ils sont ce qu'on appelle gold. Et puis ensuite, il y a le patch day one de nos jours. Donc, entre le temps que le mec écrive le livre, l'édite, le, le corrige, etc., il y a tellement de temps qui se passe. Que le, le guide n'était même pas bon. Et il 30, 30 et 40 euros. Ouais. la 4 euros, tu as un système qui est. Bah, euh, logiquement bon, hein, on verra s'il est, euh, est bien fait et si les, les, numéros sont, les nombres sont corrects. Mais dans tous les cas, ce sera quelque chose qui pourrait être mis à jour. Et pour 4 euros, voilà, tu l'achètes si on a besoin, si tu l'achètes pas. Voilà. Comme dirait Bouba si tu si pas, tu si t'achète pas, pas. Non, si tu pas, si tu pas. Et puis pas, pas mal, tu ne kiffes pas, tu pas, merci. Mais, non, mais moi, moi, je pars du principe que si c'est pas indispensable, et là c'est le cas, c'est n'est pas indispensable pour tout le monde. C'est discutable. Il y a combien, combien d'acheteurs de Tekken qui, qui veulent ouvrir la frame data Ça, il a pas beaucoup, ça, je suis d'accord. Mmh. Franchement. Bah après, on est d'accord, c'est en fait, il devait faire payer quelque chose dans ce lot de quatre modes, de quatre de, de features, on va dire, qui qu donne. Et donc, il a choisi finalement celui. Qui est le moins utile pour le, le plus de gens, quoi. C'est ça. Fait, exactement. Le et puis même, voilà. je dirais même plus parce que c'est ça, il fallait en faire payer un et tous les ajouts là sont quand même hyper orientés vers les débutants, vers les gens qui veulent commencer Tekken, qui a la réputation d'être non seulement un jeu dur pour s'y mettre, mais d'avoir ce côté un peu hardcore depuis le 1 où rien t'est dit et qui du coup est fermé si tu joues pas à Tekken depuis, euh, depuis le 3. Et là on veut vraiment remettre ça à plat avec le succès en plus de jeu-là. On fait des modes où le jeu va te permettre de de regarder et d'interpréter tes replays pour te dire ah oui, quelle oui, punition fallait ça. faire à quel moment et te dire si tu l'as fait bien ou pas c'est quand même c'est vraiment la base de Tekken quand on vous dit arrêter les combos c'est genre arrêter les combos en premier ça ne sert à rien donc tous ces modes là sont orientés aux débutants ils sont gratuits et le truc qu'on va vous faire payer c'est finalement ce qui va justifier un peu tout ça monétairement c'est de faire payer la frame d'attaque qui va quand même être achetée par pas mal de joueurs un peu plus hardcore qui sont en fait qui sont ceux qui veulent l'avoir dans le jeu et pas se faire ah, chier et et regarder plus. sur internet donc ça me paraît assez simple pour l'écosystème du jeu de faire venir des nouveaux joueurs et de faire payer 4 euros ceux qui seront prêts à le payer pour du confort en jeu finalement. Quoi. Tous les punish et que... tous les trucs euh, tuto entre guillemets, les guides quoi, euh, c'est c'est du coup gratuit ça Oui, ça, ça, ça c'est gratuit c'est ouais. gratuit c'est l'option en jeu d'une part en fait il va y avoir des nouveaux combos qui vont être rangés par launcher et ah, qui vont va être plus perso, utiles ouais. pour chaque perso classés par difficulté à ah, faire ouais. il va y avoir un entraînement global au punish et en plus un mode replay qui te permet de revoir ton match et de rechoisir la bonne option au bon moment et pourquoi mm. tu t'es fait laver comme un sac tu vois. tout ça c'est gratuit donc à côté il ouais, y une option de confort qui change rien à ton niveau de jeu enfin euh, qui déséquilibre ouais. pas le jeu pour 4 euros je pense pourquoi pas je peux, euh, enfin, peux apporter vas -y, vas -y, mon, mon grain de sel en, en, en... en fait dans le sens où moi je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qui se dit c'est juste que euh, je fais pas mal partie de la communauté des gens qui font les frame data euh, dans, la, euh, dans la communauté mm -hmm. et que eux en fait ils étaient un peu vénères parce que enfin euh, pas tous mais il y a une bonne partie qui font des outils dessus euh, qui euh, ben, eux typiquement ils font ça euh, bénévolement, ils corrigent très souvent les, euh, les, les frame data officiels euh, et euh, eux, typiquement, s'ils si commencent à, se... à vendre des trucs, euh, ils vont se prendre un DMCA dans la gueule euh... Alors, avec une chance sur deux, quoi, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, ça, en... ça c'est un autre problème. Donc, euh, donc en fait, du coup, il y avait une sorte de. Ils se sont un peu sentis, on va dire, lésés, ou en tout cas, on disait, ouais, bon, bah, nous, on s'arrache toute la gueule et vous, vous, vous payez 4 quatre, euh, quatre balles. Après, moi, je suis pas spécialement de cet avis-là, je vous partage juste ce, ce truc-là mmh. que j'ai entendu. Euh, moi, justement, au contraire, s'il euh, si y, euh, si y a un outil dans le jeu qui est bien mieux fait, n'importe quel mode parce qu'il faut pas oublier que le, euh, sur Tekken 7 sur PC tu peux l'avoir ouais, la, 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 la frame data mm -hmm. euh, tu peux l'avoir avec un hack euh, qui va, qui va t'injecter euh, les trucs dedans si c'est mieux fait et qui a moins les problèmes euh, de ça donc notamment par exemple euh, Street Fighter 5 le truc intégré il y a yep. certains coups ça affiche pas la bonne valeur bah après, je pense que Donc sur Tekken euh, 7, euh, Tekken si 7 sera fait. forcément moins bien fait. Il sera moins bien fait que le truc des, 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 des modeurs. Déjà, par exemple, tu vois, il n'y a pas la hitbox. Ouais, non, ça, évidemment. Il n'y a pas les hitbox, le, ouais, c'est le, voilà. pas, pas les trucs. Ouais, comme mais ça. alors ça, euh, mais, euh, ouais. bon. Il va falloir attendre 10 ans avant que Arada change son avis sur les hitbox. Ouais, ouais, pour euh, le coup, ouais. les hitbox dans Tekken, je ne suis pas sûr que ce soit. Pfff, bref. Ouais, ça, vu que c'est un genre 3D, je suis moins sûr. Mais bon, bref. Mais comme tu disais, le truc après qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas oublier que le jeu il est multi multiplateforme et que euh, le PC c'est pas la ah, c'est pas, pas la plateforme de, de compétition Clairement. ni la plateforme de la majorité des gens qui ont acheté Tekken 7 mmh. je pense donc du coup le, ça serait jamais arrivé, en fait vaut mieux que ça arrive pour tout le monde et que quelques personne soit deg plutôt que ça n'arrive jamais que ce soit réservé à une catégorie de joueurs qui ont le jeu sur PC quoi mais j'entends bien après c'est ça le, le truc des mods hein. combien de personnes ont fait des mods pour, pour moi, des pour jeux moi pour et... moi si tu fais du mod c'est tu, tu payes avec ton chèque de passion et puis c'est ah bah. le jeu quoi. après c'est vrai que pour le coup Tekken Chicken qui est une super appli qui recense toute la frame data voilà. sur, sur mobile inclut des pubs depuis pas très longtemps hein. moi, la dernière fois que je l'ai bah, il y a un mois ou deux avant, il, il est se, passé est en striké, version en fait. hein. Ouais, ouais. ouais mais pour le coup il inclut des pubs donc ils font de l'argent dessus aussi quoi. Mais, ouais, bon. ouais mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, genre typiquement euh, merde, comment il s'appelle Fat euh, donc la frame data de, de Street euh, 5 et, mmh. et je crois qu'ils ont 4 aussi euh, mmh. ils se sont fait jeter euh, de, du store parce qu'il y avait juste un truc vers leur Patreon quoi. Mmh. <laughs> Donc voilà. Euh, bah ouais. ouais. bah ouais. Le problème, c'est que c'est bah, un système donc complet, et à, mon, et à mon sens, dès que tu rentres un peu dans ce genre de communauté, bah, tu t'assois et tu payes avec ta passion, et puis tant pis. Quoi. Mais euh, voilà. Ok, bon, on va passer à la suite. C'est toi qui va parler le plus, Weed. Tu Ouh. es l'invité. On commence juste après ce petit jingle. Ah, la bande-son de Killer Instinct, c'est toujours un plaisir. Il est Merci tellement lourd, ce son. Ah, il est tellement bien ce morceau. Bref, alors, l'invité du jour, c'est un peu spécial, puisque Will, oui, il traîne sur le Discord de Bagreau Point depuis plus d'un an, et on voit ses découvertes, <laughs> puis on s'est dit, c'est vrai qu'il n'est jamais venu parler de ses découvertes, et... Bon, qu'est-ce que tu découvres, toi, Weed C'est tu, tu, tu travailles un truc genre le, le délai d'entrée, c'est ça en français dans le texte Le délai d'entrée, je sais pas. Non, je pense que c'est euh, ouais, la latence la de, je sais pas. Euh, je je connais pas la traduction en français. Mais input, lag Input lag en lag anglais. Et, en anglais euh, et je tiens, euh, je vais je vais le faire euh, ici et maintenant. Je tiens à remercier quand même Bagropoint point parce que ça a un peu ça a un peu commencé grâce à vous. Ah bon Qu'est-ce qu'on a fait bah, Alba m'a filé euh, une PS4 avec euh, 12 jeux dedans. Ah bah oui, mais il devait en avoir 4 avec 12 <laughs> jeux dedans. Donc euh, 12 ça. ou 18, je ne sais plus, mais comment... il euh, y en avait vraiment une chier. Et euh, ce qui m'a permis, euh, donc, euh, donc pour rappel, ce que je fais, c'est de mesurer l'input lag euh, à la fois des jeux euh, ainsi que euh, des manettes. Des manettes. Mmh. Et euh, du coup, en fait, ce que j'ai commencé, euh, c'était genre il y a. Euh, je crois que c'était en. en l'été euh, 2018. Euh, J'avais un peu reproduit euh, le setup d'un gars qui s'appelle Noodles, qui est un putain de génie, et je vous conseille de suivre, parce qu'en ce moment, il n'arrête pas d'envoyer des mesures. Euh, et euh, qui. Euh, pour essayer de reproduire un peu ses résultats et d'en de, apprendre un peu plus. Et du coup, j'ai commencé en. En testant bah, tous les jeux de combat de la PS4 d'Alba, <laughs> euh... payé par l'éducation nationale. Donc on peut dire, on peut dire que l'éducation nationale permet de faire des recherches sur une Lag. Voilà, Merci. C'est pas... euh, 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 là où passent vos impôts. Mm -hmm. <laughs> euh, et en, et euh, du coup, en l'occurrence, ça permettait de bien, bien remarquer euh, certains, on va dire certains problèmes sur euh, certains jeux, y compris. Euh, à l'époque, ce qui avait beaucoup fait parler, c'était l'input lag de Street Fighter V, qui était cyclique. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il variait euh, entre 5. Euh, c'était euh, 4 et 6 frames. Ouais. Euh, 4 et 7 frames. Euh, par cycle de 1 minute à peu près. Alors, pour, pour revenir un peu plus précisément, ouais. on, on va dire que sur l'input lag, en fait... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, surtout depuis la sortie de Street 5, puisque c'est là que le débat a vraiment commencé avec ces fameuses ouais, 7 frames. C'est un peu pour lag. ça que j'ai voulu m'y mettre en l'occurrence. Et le truc qu'il y a, c'est qu'à à... l'époque, il n'y avait pas vraiment de manière encore trouvée de mesurer l'input lag très précisément, puisque l'input lag était vérifié via une partie, on va dire, euh, visuelle. C'est-à-dire qu'en gros, on branche la console à un écran, on a un bouton il y a une LED, et quand on appuie sur le bouton, donc la LED s'enclenche, et avec une caméra à 60 images par seconde, on regarde combien de frames le jeu met à afficher sur l'écran le mouvement. C'est bien ça, qui, bien comme ça qu'on faisait, c'est ouais, ça Ouais, c'est juste qu'on pouvait utiliser des caméras un petit peu plus rapides, genre 120 mmh. fps, par exemple Display Lag, qui était un peu mmh. la référence pendant pas mal de temps avant. Euh, et euh, faisait ses mesures avec 120, mais avec un iPhone, maintenant, tu peux monter à, à, à 240 ou avec n'importe quel téléphone un peu moderne. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, du coup, ça permettait de faire ça, mais euh, ça, ça rajoute trop de, de variables, notamment l'écran, c'est un gros problème. Dans... Mm. Donc toi, ta solution, enfin celle de Noodles que tu as ensuite utilisée, yes. c'est une technique qui permet de euh, mesurer l'input lag. Euh, sans l'écran, c'est-à-dire à la sortie du ouais. câble HDMI de la console, c'est ça, ça Ouais on okay. prend l'HDMI et le principe, l'idée de base c'est quand on appuie sur le bouton, on enlève, une cou on enlève le, les couleurs du signal euh, de, du, du signal vidéo, on a, on a un petit mécanisme pour faire ça. Euh, et euh, du coup quand tu captures le signal euh, vidéo à la fin avec juste une capture 60fps standard, euh, tu regardes le, tu regardes le, le, bah, la vidéo et euh, quand le, quand, quand un le coup, perso se met euh, à bouger quoi en, gros. Bah, en fait c'est quand le, quand t'as plus de couleurs tu dis bah, c'est là où j'ai appuyé sur le bouton mm -hmm. et ensuite tu passes une frame, deux frames, trois frames et tiens il vient en train de bouger quoi. D'accord. Et, euh, et et ça a permis euh, de, ça, ça a permis en fait de, on va dire enlever toute une partie hypersensible qui est l'écran puisqu'actuellement... actuellement ouais. on, il enfin, y a des écrans qu'on dit qu'ils n'ont pas de lag, d'autres qu'on dit qu'ils ont du lag, mais au final, euh, comme c'est toujours pas mesuré ni euh, mis sur les étiquettes des boîtes des écrans, en fait, a... c'est au petit bonheur, la chance actuellement. Euh, tu, tu peux trouver un peu plus de, de données petit à petit maintenant, mais ce n'est pas super clair. Euh, mais mmh. par contre, un des autres problèmes, c'est qu'il euh, bah, y a le, la latence d'affichage, de fait, puisqu'il faut, euh, bah, faut 16 millisecondes pour tracer une image sur ton écran mmh, ok donc ça donc, veut dire euh, quoi donc c'est à dire que en fait <coughs> la façon dont un écran se rafraîchit c'est assez simple il va, euh, il va recevoir les pixels un à un et mmh. il va les afficher euh, euh, du, du coin en haut à gauche jusqu'au coin en bas à droite et ça va prendre 16 millisecondes à s'afficher c'est à dire une frame de 60 fps mmh. donc en fait quand tu mesures la latence euh, en, euh, avec un écran Techniquement, si tu te mets au milieu de l'écran, tu peux dire qu'un CRT euh, a 8 millisecondes de lag. D'accord. Ah parce bah qu'il oui, est... faut ouais. du temps pour l'afficher, de fait. Mm -hmm. c'est n'est pas instantané de transmettre euh, l'image à l'écran. Mm -hmm. Et du coup, en fait, toute cette partie-là, nous, on l'ignore dans la, dans la méthodologie parce que n'importe ben, quel écran va l'avoir. Mm -hmm. Et euh, ça évite de se prendre n'importe quel... Enfin, de, des, des variables en plus qui sont... Oui, mais alors attends... Euh, la, euh, euh, ça, ça arrive plutôt vers le bas de, de l'écran ou des trucs du genre et du coup on n’a pas trop à s'occuper de ça. Quoi. Donc ça permet en gros de savoir combien de temps un jeu euh, en combien de temps un jeu réagit yes. euh, Donc pour le coup, euh, on va avant de passer un peu aux résultats que tu as trouvé, ouais. on va parler aussi d'un autre truc qui est important, c'est qu’il y a aussi la stabilité. Donc ouais. la, donc, et c'est ça qui est, qui est très très important et pour lequel Street Fighter 5 a fait beaucoup de débats, c'est que ouais. déjà l'input lag était très élevé, mais en plus il y avait un problème de stabilité. C'est quoi la stabilité dans l'input lag C'était surtout la stabilité pour Street 5 en l'occurrence, mais la stabilité, en tout cas c'est comme ça que je l'ai défini, euh, c'est le fait que si tu appuies euh, sur euh, ton bouton à peu près avec le même timing dans la frame, donc comme on dit la frame c'est... Euh, euh, c'est toutes les 16 millisecondes, 16.6 millisecondes, tu as, euh, euh, as une nouvelle frame. Si, oh. tu, as appris, si tu appuies, euh, mettons, euh, 8 millisecondes après le début de la frame, euh, à quel point tu vas toujours avoir le même lag à la fin En gros, c'est -ce la probabilité que tu aies le même résultat à chaque fois. Exactement. Et, ça. et du coup, en l'occurrence, euh, normalement, tu dois t'attendre à euh, entre 90 et 100%. Mmh. t'as toujours la même chose euh, mais il se trouve que suivant plein de variables euh, ça peut partir en vrille et en l'occurrence Street était plutôt à 35 si je me rappelle bien euh, donc euh, c'était un gros bordel parce qu'en gros quand tu appuyais tu avais une possibilité que ton ton coup sorte à 4 frames euh, 4 frames après ou euh, 7 frames après et t'avais rien t'avais pas moyen de le prédire ce qui est le plus horrible quand tu fais de la réaction. Quoi. Mais alors, pour le coup, le, 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 ça vient de quoi le fait que la stabilité soit pas, euh, soit pas bonne Alors, euh, c'est un peu compliqué. Okay, <laughs> si on devait simplifier. Mais euh, en gros, audio... gros c'est pas, pas très. Enfin, le, le, le principe de base, c'est que euh, tu as le moteur de jeu. Mmh. Euh, le moteur de jeu, lui, il va calculer euh, qu'est-ce qui se passe dans le jeu et as, tu vas avoir la carte graphique qui va essayer d'afficher ce truc-là. Et en gros, le principe, c'est que tu vas avoir le moteur de jeu qui va envoyer euh, à la carte graphique, affiche ça, affiche ça, affiche ça. Et la carte graphique, globalement, elle fait comme elle peut et elle décide un peu comme elle veut de quand est-ce qu'elle affiche les trucs en fonction du débit euh, à laquelle elle reçoit les frames. Quoi. De ce qui est prêt à être affiché en C'est ça. Gros, et du coup, euh, ça dépend beaucoup de la qualité de la programmation, de savoir si est-ce que le moteur de jeu est correctement synchronisé avec euh, bah, le moteur graphique on va dire. Mmh. Et ça euh, pour info c'est un truc que très peu de développeurs de jeux maîtrisent euh, pour, pour avoir discuté avec, euh, avec beaucoup. Et là même j'en ai appris euh, j'ai appris des trucs dernièrement à Maxi. Donc euh, même lui qui a fait son propre moteur il, il découvre des trucs euh, là-dessus. Euh, euh, parce que c'est des choses qui sont assez avancées que personne ne t'apprend. Euh, et mmh. si tu rajoutes le fait que maintenant on est sur des, des moteurs qui sont de plus en plus compliqués et qui sont de plus en plus boîte noire, mmh. genre tu reçois Unreal, euh, Unreal 4 et tu fais ton jeu dedans, euh, si tu as laissé les paramètres par défaut parce que tu sais pas trop comment gérer le truc, eh ben il y a une bonne proba que euh, ça part en vrille. D'accord. En gros, juste pour résumer, le, le, résumé, le, 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 le manque de stabilité, c'est juste qu'en fait, le, 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 jeu, le moteur de jeu calcule des trucs. Mmh. La carte graphique, elle doit afficher des trucs, mais la carte graphique, en gros, elle a une liste d'attente de ce qu'elle veut afficher, et c'est ça qui se passe, quoi. Ouais. Et la, et la, et la ouais. taille de la liste d'attente est pas super bien contrôlée, et du coup. D'accord. Ouais. Enfin, okay. Alors, si on regarde un petit peu sur euh, les résultats, alors ouais. on a des, des résultats assez, euh, assez affolants. Euh, parfois, je vois dans ta liste de résultats, par exemple, la démo de Samurai Shodown qui faisait ah, 8 frames d'input lag, euh, qui... On ne fait plus 8 frames dans la non. version euh, définitive du jeu. On est descendu à 4 frames. Ouais, 4.0. Euh, tu, tu peux nous raconter cet épisode d'ailleurs, puisque tout le monde oh, n'a pas suivi On s'est bien marré quand même. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé <laughs> Donc, euh, en gros, il y, y a la démo euh, qui est sortie, euh, je sais plus quand c'était, c'était en juin, un truc du genre. Mm -hmm. euh, et euh, je commence à recevoir des, des tweets, parce que je, je commence à avoir un, un petit peu de poids. Les gens commencent à me re, bien m'associer au fait d'avoir de l'input lag. Et je commence à voir des gens qui me disent. Euh, j'ai ressenti du lag, ce que tu pourrais pas voir. Bon, la galère parce que c'est un PSN japonais, etc. Mais bon, je fais le test et effectivement, je trouve 8 frames avec une stabilité à 60, si je me rappelle bien, ou 83. Ah non, c'est plus haut que dans mes souvenirs, autant pour moi. Et je fais, bon, ouais, c'est un peu chelou, je balance un tweet pour publier mes résultats. Et euh, donc évidemment, je fais ça euh, pendant que le Japon dort. Euh, donc, donc, <laughs> euh, donc, donc les RKPA dormait pas. Hein. Ah bah ça, j'imagine. Euh, je peux t'assurer qu'il y a, il y a ceux, ceux qui, ceux qui étaient capables de faire du bruit, ils dormaient pas, hein. euh, mm -hmm. euh, puisque c'était, euh, ouais, j'avais publié ça à 21h heure française, un truc du genre. Et du coup, quand le community manager de SNK euh, s'est réveillé à 3h du mat, heure française. Il a fait oh putain qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi il y a 600 retweets sur ce truc-là que je sais pas combien de threads sur les forums coréens euh, etc les forums coréens ouais c'est ça qui les a le plus fait flipper en l'occurrence à ce point-là ouais euh, c'est apparemment il y a toute une communauté enfin toute la communauté euh, coréenne qui s'est vraiment vénère euh, dessus euh, et euh, donc c'est c'est remonté euh, fatalement euh, euh, aux oreilles de, de Oda le, le producteur du jeu, le non, producteur du jeu euh, qui a fait what the fuck, attends, non non, on fait un truc on, on, on corrige ce merdier avant la release euh, du coup après j'ai eu 2-3 DM avec le community manager pour qu'il échange avec les, avec les équipes de dev et mmh. donc euh, l'histoire la plus drôle c'est que il propose du coup d'envoyer un, un, un mec avec un test build et euh, une plateforme de test chez moi à Paris depuis Osaka euh, pour, euh, pour valider de mes mains. Regardez, euh, on a fait le même test avec le même mec et on a des meilleurs trucs. Sachant que, et ça c'est assez fun, c'est que quand le gars il est arrivé, il, sait, il savait qu'il avait gagné euh, des, des frames. Par contre, ils avaient aucune idée de savoir combien. D'accord. Donc, ils t'ont envoyé un mec depuis le Japon, sa PS4 euh, débug sous le bras pour ouais. te faire tester un truc dont ils n'avaient aucune idée du résultat. Mmh, ouais. En gros. Mais ils savaient que c'était mieux quand même. Ils savaient que c'était mieux. Ils savaient que c'était mieux, mais pour, euh, ils me disaient, ouais, je pense qu'on a gagné deux frames. Ils en mmh. ont gagné quatre. Ouais, c'est très bien. <laughs> donc, mais du ça coup, t'as mecs... re refait le test et t'as renvoyé, en gros, quoi. Ouais. Ok. Et donc, pardon, flash où dire dire Ouais. Donc, ça veut dire que les mecs qui développent le, le produit n'ont pas en interne de plateforme de test équivalente à ce que toi tu peux avoir en, en FreeSafe. C'est hallucinant quand même. Non euh, mais parce qu'en en fait faut, déjà faut, faut ça, ça nécessite un minimum d'électronique pas énorme mais un petit peu et je peux t'assurer que les devs ils ne connaissent pas l'électronique euh, de base euh, mmh. euh, je, et du coup déjà ils n'ont pas un moyen après tu t'en as des moyens typiquement tu prends ton téléphone tu, 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 juste tu filmes toi en train d'appuyer sur le bouton un peu fort et euh, tu filmes l'écran tu le vois globalement tu as vite fait une idée de qu'est ce qui se passe normalement mm -hmm. typiquement quand tu vas faire ta, ta mesure tu vas te retrouver avec un, une sorte d'équivalence à 10 frames au lieu de 8 exactement euh, tu veux dire ouais non c'est normalement il y a un truc de pas normal quoi. Mm -hmm. mais par contre ce qui est le plus frustrant dans tout ça, c'est que j'avais discuté avec euh... ah merde je me rappelle plus de son nom euh, un des devs euh, euh, dev graphique euh, euh, de SNK de SNK euh, Tim Bowler ouais, euh, ouais peut-être ouais, je, je vois qu euh, qui euh, qui qui m'a dit que en fait au final c'était un pauvre réglage de Unreal 4 quoi ah ouais à ce moment-là c'était juste ça c'est juste ça non, triste. Et ça, c'est <laughs> extrêmement triste en fait. Euh, parce moins. que, parce que, t'as. Ils ont failli euh, se manger un, un gros problème à la sortie avec, euh, ben, j'ai envie de dire, les mêmes trucs que Tekken a eu au début, les mêmes trucs, que, euh, donc les fameuses 8 frames de lag, lol, euh, etc. Sachant que, sûrement mesuré d'une mauvaise façon, ça aurait pu être 10. Euh, puisque dès que tu mesures pas super bien, tu montes très vite dans les tours. Uh -huh. euh, donc euh, en fait, euh, ils auraient pu se prendre un truc euh, scandaleux à la release. Euh... Est-ce que tu t'es en train de nous dire que tu as sauvé SNK Non. <rire> 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 mais par contre... Euh, mais par non, contre, je, crois je, suis, bien, je, crois je bien. pense, pense que ils ont... Ils ont, ils ont évité un gros bad buzz quand même. Ouais, c'est ouais. Après, est-ce que, est que euh, SNK survit uniquement par… Euh, ça me chose on sait rien. Mais... <laughs> non, mais le jeu a quand même, a quand même ah, il une, marche une, bien. Une, une belle. Ouais, il marche bien. Mais en fait, c'est surtout, surtout que maintenant, c'est surtout que maintenant, il n'y a même pas, il a personne qui va dire qu'il y a du lag sur ce jeu. tu ouais, t'as mis un saut, un saut de qualité dessus. Parce que en fait, euh, du coup, maintenant, c'est bon, on a une mesure, on sait que les mecs, ils ont bossé dessus. Euh, euh, ben, on va pouvoir doser. Quoi. Euh, alors, que, oui. euh, alors que typiquement, Tekken 7, quand c'est sorti, il y avait toute une sorte de micmac où ça parlait que de ça et jamais du jeu. Et c'est insupportable à ce mmh. moment-là. C'est le pire truc qui peut arriver quand tu sors ton jeu, en fait. C'est qu'on parle de tout sauf du jeu. quoi mmh. Mmh. Ou en tout cas, pas de la manière dont tu veux. Donc, ça. je regarde encore tes mesures. On peut, on peut dire clairement, quand même, que la majorité des jeux se situe entre 4 et 5 frames. Et les jeux modernes, c'est et demi. Les jeux modernes, c'est 4,5 en moyenne. Quand c'est à peu près bien fait, c'est 4,5. Mmh. Parce qu'on prend, par exemple, je vois Samurai Shodown, c'est 4, Fighting Slayer, 4.2. Mmh. Yakuza euh, y a quoi, Skullgirls 4.4 sur PS4, euh, Street Fighter 5, la dernière version 4,5, Dragon Ball Fighter 4,6. Mmh. Donc là, on est, devenu, on est arrivé quand même dans un standard, euh, dans un standard qui est qu'on a environ 4 frames de lag. Ah, en fait, c'est un peu le maximum acceptable, très ouais. exactement. et puis est un, Mais en même temps, apparemment, les développeurs parlent du fait que c'est très, très, très difficile aujourd'hui de sortir, d'arriver en dessous des 4 frames de lag. Puisque les moteurs ne sont pas spécialement bah, faits pour... Il faire, faut faire ton moteur, quoi. Il faut faire ton moteur, quoi c'est ça. Donc, pour le coup, parce que si on compare à quelques jeux que tu as, as testés aussi, par exemple, en arcade, Super Street Fighter 2X sur CPS2, c'est 2,6 frames euh, d'input lag, ce qui est ridicule quand tu pense penses. Bah, ouais, mais en fait, c'est un truc que tu retrouves dans pas mal de, de systèmes rétro, en fait. Mm -hmm, on, parce vrai. que, il bah, ne faut pas oublier que l'input lag, c'est un, un truc que tu... Tu peux avoir euh, quand tu as beaucoup de, beaucoup de puissance. En fait. Typiquement, tu es capable de calculer des trucs à l'avance, tu es, capa es capable de, de préparer des frames avant de les afficher ou des trucs du genre. C'est ça qui va te rajouter de la latence. Mm -hmm. euh, une borne d'arcade, elle, elle est faite pour faire ce qu'elle doit faire et il ouais. n'y a, y a, a pas de manœuvre. Hein. Une Super NES, ça va être pareil. Hein. Donc, euh, donc en fait. C'est pour ça que l'input lag, globalement, si tu regardes un peu les, les moments euh, où, où on a commencé à en, a parlé, à en parler, c'est globalement post-2008. Un truc oui. du genre. C'est à partir vrai. de là que ça commence à partir en vrille et ça, commence à, ça a bien explosé depuis 2012, on va dire. Euh, où, où là, en fait, on se posait vraiment la question parce qu'avant, euh, moi, je, quand j'étais je, ado, il n'y avait jamais personne qui a parlé d'input lag. Euh... Mais c'était quand même quelque chose euh, dont on parlait euh, sans, sans même le savoir, on, on, on le savait parce qu'on on, on jouait à certains jeux, on disait le jeu il répond bien euh, quand on fait quelque chose, ça sort en fait. Ouais, mais c'était plus et du gameplay. Chose... Ouais, ouais. c'est de... peut-être parfois parce que les jeux, par exemple, tu non, prends Street fait... Fighter 3, ils tournent pas à la même vitesse en fonction que tu joues en arcade sur Xbox ou sur encore un autre portage. Donc du coup, t'as pas le même feeling de ça sort bien et ça sort pas bien, tu vois. Je ne parle pas forcément de jeux de combat, je parle ah. de, de jeux en général. Mais oui, je suis d'accord. Quand, mmh. quand tu jouais avec, je tu sentais que c'était… Euh, J'ai le mot en anglais, pas en français. Sluggish. Mmh. Euh, lent, euh, ça, ça m'était longtemps à sortir. Je prends un jeu qui est tout con, mais peut-être que je me trompe pas. Hein, mais pour moi, un, mode, un Call of Duty Modern Warfare, déjà, ça tournait en 60 FPS sur console. Mmh. Et c'était un jeu qui répondait hyper bien, hyper rapidement. Tu, tu faisais quelque chose, mmh. ça s'affichait directement. Donc, c'est quelque chose qu'on qu savait sans le savoir, et, mais que maintenant, euh, c'est devenu scientifique. Et pour moi, vraiment là où ça a explosé, c'était la sortie de, euh, Super, euh, de Street Fighter 4 sur PS4, qui a été une oui. horreur à la sortie euh, Day One, la version PS4 de, ouais. de sf 4 Vraiment, c'est là où l'input lag, moi j'ai vraiment euh, l'impression que y a, y a... ça a pris une place centrale dans la communauté. Ben, en fait, c'était aussi parce qu'ils étaient obligés de passer dessus. Parce, oui, que, typiquement, parce que typiquement, il y avait la PS3 qui était mm -hmm. plus lente, mm -hmm. officiellement. Euh, Je pense que, en l'occurrence, c'était surtout à cause des sticks. Mais ça, c'est une autre, une autre question. Euh, et qui, euh, mais que du coup, vu que tu étais sur PS4 et que tu forçais les joueurs à être dessus, bah, si tu rajoutes une frame de, de lag euh, sur un truc qui était suffisamment vénère pour avoir du just frame de partout, mmh. euh, ah bah c'est ouais. chaud quoi. Ouais. Euh, juste pour continuer un petit peu, euh, deux questions que mmh. je pense que nos auditeurs se poseraient. Euh, Qu'en est-il du V-Sync Parce que des fois on entend oui, mais sur, ah. sur PC, tu désactives le V-Sync et comme ça, il y a moins d'input lag, gna gna gna. Alors, ouais. est-ce qu'il faut désactiver le V-Sync ou pour jouer au jeu tel qu'il devrait être joué ou pas euh, Alors, euh, donc le PC, j'en parle. Enfin. Pas, ma deuxième, pas, genre, ma deuxième genre, question concerne le PC. donc ouais, Tu peux parler des deux en même temps. Je, ouais. je vais un peu parler des deux en même temps parce que c'est un, un peu compliqué euh, dans le sens où le PC, c'est vraiment la pire plateforme de, pour l'input lag, quoi que vous en, ente en entendiez parler. Euh, puisque, euh, je vais vous donner un exemple, euh, Skullgirls, si je joue avec mon ancien PC, c'est un des meilleurs jeux de combat en termes d'input lag. Est, on est à 2,5, si je me rappelle euh, non, Non, 2,5. 2.0 ou 2.5 Sk Skullgirls sur P Non, on est sur plus Skullgirls maintenant, non Sur PS4, on est un peu plus Oui, sur PS4, mais je te parle ah. sur, le, sur mon ancien PC. Ah, si oui, je le fais, si je le fais tourner, je suis à comme ça. Et si je le fais sur euh, tourner sur mon PC moderne, je suis à points et quelques. Wow. as wow. 3 frames avec, de lag en plus, en fonction Avec les mêmes réglages. Avec les wow. mêmes... Ah bah pour le coup, il n'y peut pas grand-chose là. Ah mais euh, je, je, je lui ai indiqué de comment il fallait faire pour corriger, en tout cas. Mais euh, je sais, Mais du coup, il, il, il se demandait de savoir s'il pouvait faire un rétroportage euh, euh, sur sur ce Mais ça l'inquiétait parce que indivisible et est conçu sur le même moteur et du coup il fait fuck après c'est moins c'est moins c'est un RPG donc c'est c'est moins exigeant mais bon ce que tu nous dis en gros c'est qu'en fonction de la config du PC l'input lag change l'input lag change et même si t'as les mêmes réglages donc même si t'as les mêmes VSync les mêmes tout ce que tu veux quoi et donc le VSync donc le ça qu'est-ce que c'est à la base juste le principe c'est quand as une frame qui est prête dans le dans, dans la carte graphique, la euh, le fait d'enlever la VSync ça, ça veut dire je l'affiche tout de suite, même si c'est en plein milieu de l'écran. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça que le problème du V Sync, c'est tu as euh, ce qui s'appelle le tearing, euh, c'est-à-dire que tu vas avoir ton ton image qui va être un peu scindée en deux au milieu en fonction de s'il y a beaucoup d'animation ou pas. Genre en haut, tu vas avoir la nouvelle frame avec le ouais. nouveau coup, par et exemple, en... et en bas l'ancien coup. Enfin, je schématise ouais, comme ça. Ouais. C'est ça. Euh, et du coup, c'est un peu dégueulasse euh, en termes d'affichage. <laughs> par contre, l'avantage, c'est que euh, si tu as la v si tu enlèves la VSync, tu as pas de problème de savoir si il a le, ta carte graphique a préparé des choses à l'avance, etc. Puisque Là dès qu'il y a une frame il l'affiche quoi. Il n'y a, mm -hmm. a même pas à réfléchir. Euh, donc ça va beaucoup aider sur l'input lag. Par contre tu vas avoir une image de merde. Parce mm -hmm. que fin, tu, tu vas avoir cet effet visuel qui est dégueulasse et qui est pas prévu pas en général par le développeur. Typiquement les FPS ils sont un peu plus laxistes là-dessus. Typiquement les je sais pas les Quake ou les Counter-Strike euh, ils se posaient un peu trop moins la question parce que justement le jeu a entièrement été construit sur ce genre de mode. Mais, euh, mais typiquement, euh, si tu veux avoir une qualité visuelle correcte, mm -hmm. euh, ben, du coup, es, tu es obligé de garder la v-sync. Par contre, garder la v-sync, ça t'expose à tous les autres problèmes de input lag euh, que je disais typiquement en termes de synchronisation avec, euh, mm -hmm. avec le game engine. Donc tu as des moyens de s'en sortir, donc la g-sync, enfin tous les... les les systèmes euh, VRR, donc Variable Refresh Rate, euh, donc les FreeSync, les G-Sync, etc. Alors, ça, pour, euh, pour les auditeurs qui seraient pas PC du tout, en gros, le G-Sync et le FreeSync, c'est un truc qui se met dans l'écran, qui mm. permet de synchroniser l'écran à la carte graphique de façon à ce que, euh, que la carte graphique dise à l'écran, j'ai un truc qui est prêt, l'écran dit, ok, on y va, ou l'inverse. Un truc dans ouais, le genre, c'est globalement ça. Après, c'est pas. Ça fait ton écran une... intelligent, on va dire, ouais, un peu comme ça. C'est pas la panacée. Euh, ouais. Parce que typiquement si tu as si ton jeu il crache beaucoup de frames par seconde et que ton écran il peut pas afficher plus de 120 images par seconde, bah, quoi qu'il arrive tu vas avoir du problème quoi. Mm -hmm. Mais, euh, mais ça, ça te permet de, de compenser ça. Et euh, tu disais PC, mais c'est un truc qui arrive sur console. Euh, donc typiquement, euh, Xbox a annoncé que... Ils supporteraient le FreeSync sur euh, c'est ouais. ça, sur leur prochaine console. Et c'est pour ça que quand tu regardes un peu euh, des, des, des articles un petit peu euh, un petit peu euh, aguicheurs, on va dire, ils vont dire euh, Xbox la la, la la console pour les pour pour les, les meilleurs input lag. En gros, ça tient à deux trucs. C'est un, ils ont le FreeSync et deux, ils activent le mode game sur ton écran automatiquement. Ce que tu peux faire toi-même, en l'occurrence, mais euh, ce qui enlève de la latence sur l'écran. Mais euh, globalement, c'est tout ce que ça apporte. Quoi. Ok. Alors peut-être une dernière question, puis mm -hmm. euh, on va conclure là-dessus. Euh, tu n'as pas fait contrôler que le résultat des jeux, tu as aussi contrôlé euh, les, les manettes. Ouais. C'est ça. Donc sans rentrer dans la technique, euh, en gros, il y a tout un schéma de communication entre la manette et le stick. Euh, entre, entre la manette euh... et la console, pardon, ouais. qui te dit ⁇ Eh, hey, tu es qui ?⁇ Eh, hey, bah, je suis machin hey, ⁇ Eh, mais tu fais quoi ?⁇ Ah, bah, je suis en train de faire ça ⁇ Ah, mais tu fais quoi ?⁇ Etc. Et en gros, il y a une communication entre les deux. Or, il se trouve que toutes les manettes et tous les sticks n'ont pas les mêmes, euh, la même comment dire, rapidité mm -hmm. de synchronisation avec la console. Tu confirmes Je confirme violemment. Violemment, ok. <laughs> <laughs> Par exemple, euh, si je prends, je suis devant de ta liste là, et ça va peut-être en choquer certains, mais le Mad Catz Tournament Edition S, Tekken Tech, Tech Tournament 2, ainsi que le Soul Calibur 5 PS3, donc deux sticks PS3, ils ont 24 euh, ms, donc. Euh, euh, millisecondes. Donc deux Une frame et demie d'input lag natif à l'intérieur, quoi. C'est énorme en fait quand ils pensent. C'est pour ça que je dis que PS4, euh, PS3 avait une réputation de merde mmh. en termes de input lag. Mais si c'est ça les sticks qui sont euh, qui sont dessus, ça mmh. bah, ça va pas aider quoi. Ouais, c est... C est ça, <laughs> et euh, et j'adore le, le TE1 en l'occurrence, mais pas, 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 pas son firmoir quoi. Ouais, <laughs> les to les tous les tournois d'édition par exemple ont se... tous les tournois édition 1 vont avoir ce, ce truc là. C'est incroyable quand ils. Pensent... Enfin tous les en édition PS3. PS3. Euh, les Xbox ça va pas être le même délire. Euh, je connais pas les... les résultats exacts par contre. Okay. Euh, j'ai euh, je les ai peut-être parce que j'ai il y a un autre mec qui euh, qui, euh, qui utilise mon euh, mon enfin mon appareil on va dire euh, ma méthode euh, pour mesurer euh, et qui me ramène. Euh, Régulièrement plein, plein de nouvelles mesures, j'en ai plein à intégrer dans le site et je ne l'ai toujours pas fait. Il y a, y a des choses qui sont incroyables dans tes résultats, par exemple le DualShock officiel Sony ah en Bluetooth, il a 3 millisecondes, donc c'est quasi, quasi très bon. euh, c est c est, impossible à mesurer quasiment, enfin, tu le ressens pas. Quoi. Non, non. Il a 3 millisecondes en Bluetooth, mais il a 10 millisecondes, donc presque une frame quand il est en USB. Ouais. c'est incroyable en fait Et ce truc quand même. Bah, pff, en fait c'est un peu ce qui, est, ce qui est le plus énervant dans tout ça c'est juste que c'est un problème de configuration encore c'est à dire que est, ce qu'il y a d'important à comprendre dans l'USB c'est euh, que c'est euh, ta manette qui va dire au système euh, combien de fois il doit euh, venir l'appeler par seconde mmh. donc c'est ton truc qui va faire euh, ben, voilà appelle moi euh, je sais pas 200 fois par seconde ou appelle-moi 125 fois par seconde ou enfin ce genre de truc quoi. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, euh, en l'occurrence, euh, la manette euh, PS4, euh, hein. PS4 branchée, alors je crois que ce n'est pas toutes les versions, mais en tout cas c'est la version que j'ai mesurée, euh, elle, elle dit bah, viens me chercher euh, euh, bah, globalement 100 fois par seconde. Sachant que tu as une, un frame. À côté, tu essayes de te caler assez rapidement avec un frame rate de 60 par seconde. Donc, mm -hmm. suffit que tu sois pas synchro sur le bon flux. Et bah, du coup, en fait, tu te prends de la latence juste par ça. Il, ch il changerait la latence. Et c'est parce que sur mon site, tu peux voir le l'overclocking. Le le, mm -hmm. S'il changeait avec, le, avec une milliseconde au lieu de 10 millisecondes, et bien bah, en fait, il serait plus rapide que le Bluetooth. Et. Quasiment une des manettes les plus rapides de tout le, mm. tout le système, c'est juste qu'ils ne le font pas. Mm. Donc on peut voir en fait dans tous tes résultats que euh, globalement, alors les sticks PS3, c'est quand même pas la panacée. Non. Euh, globalement, les sticks, alors sauf le Sky Q4T PS3. Je sais alors pas ça, c'est ce une PCB chinoise, euh, ah, une PCB ult, chinoise. Ult, ultra, ultra chelou. Voilà. <laughs> Mais globalement, en fait, les, les trois trucs qui ont les meilleurs résultats, enfin même les quatre. Mmh. Euh, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des PCB non officiels. Il y a le Brook Universal Fighting ouais. Board, le Brook PS3 PS4 Fighting Board, La le PS3 6 plus. PS3, PS3, 6 plus, PS3 mmh. PS4 et le Brook Wireless Fighting Board PS4 Wired. Donc en gros, on est. Euh... Et après, il bon, y a d'autres trucs il y a le Fighting Commander, le Pantera, le Dual 4 en Bluetooth, le Ori Fighting Commander. Mais tous ces sticks qu'on qu connaît tous. Euh, alors, le Hori Fighting Edge PS4, il est pas mal pour le coup, 4 mm -hmm. MS. Mais quand je vois par exemple tous les Mad Cats là, mais euh, ils ont tous des. les Mad Cats, c'est pas bon hein. en fait. cest veut <laughs> dire que tout dur. le monde, euh, toute cette période PS4, tout le monde c'est euh, Pardon, Xbox et PS3, mm -hmm. tout le monde s'est traballé des sticks qui en fait euh, avaient quand même un petit peu d'input lag, quoi. Bah ouais. Et bah ouais, ça te fait un peu relativiser, on va dire. Euh, mm -hmm. Mais par contre, s'il y a un truc que. Euh... Euh, que moi je trouve assez impressionnant c'est euh, quand tu fais euh, maintenant en fait une session euh, avec euh, les potes où euh, tu joues avec une euh, vraie console rétro avec ouais. une vraie manette ré rétro qui la manette rétro peut, peut pas avoir d'input lag euh, c'est pas possible il <laughs> n'y a, a pas le protocole usb il n'y a pas tous les trucs euh, pareil pour le pour tout le système et en fait tu j'ai remarqué ça pas mal de fois où les gens ils font mais, mais c'était ouf en fait avant. On avait mmh. 60 fps et ça répond super bien. Mmh. <laughs> euh, et, et en fait, on s'en rend plus compte parce que c'est le problème de l'input lag c'est que c'est très difficile à quantifier si tu fais pas des vraies mesures scientifiques avec des gros guillemets. Euh, c'est que c'est une sorte de truc qui s'introduit sans que tu t'en rendes compte. Et c'est en fait quand tu l'enlèves. Et que tu te dis non non mais en fait c'est comme ça que tu que ça se joue vraiment tu fais ah non 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 mais en fait ça n'a rien à voir ouais. <laughs> et c'est là-dessus que ben moi j'essaye euh, c'est un de c'est un peu un de mes défis euh, que j'ai c'est d'essayer de, de virer le plus euh, le plus possible donc je bosse ça m'arrive de bosser avec euh, avec euh, avec des équipes de développement ou euh, qui euh, pour pour les aider euh, là-dessus euh, et justement pour essayer de ne plus avoir le problème. Et ça, disons que le souci, c'est que ça, tout ce que je dis, c'est offline. J'ai même, euh, même pas parlé du online et j'ai même pas oui. parlé des trucs qui vont arriver dans très 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 peu de temps, voire qui sont déjà là, qui sont sur le streaming. Ouais, Stadia, etc. Les Stavias les, les Stavia, les, et tous les PS aussi. Alors fais la, la Stavia c'est autre chose, alors ça peut mettre du lag aussi, mais euh, c'est pas tout à la fait celle Stévia. de Google, c'est la Stevia. <laughs> Bon. Et tu peux rien faire pour CoF 14. Ah. CoF 14, c'est, J'en ai marre de sauter dessus. <laughs> Déjà, faut pas sauter, mais là. Euh... King Fighter 14, 4,7 alba. Est-ce que c'est pas un peu dans ta tête <laughs> Est-ce que ce serait pas un peu dans ta tête Est-ce que tu dégaines non, pas euh... la carte bancaire plus vite que, euh, que les dragons <laughs> En fait, est-ce que tu manques pas d'entraînement moi ce là, que je après, sais c'est que COF uh, 14 à uh, il a dit c'est le meilleur jeu de la Terre donc uh, à partir de là euh... <laughs> C'était quoi ta question le C'était que combien A killer instinct il était sur Xbox uh, One Je crois que tu l'as pas mesuré. Je euh, l'ai pas parce que j'ai pas d'Xbox, tout simplement. Ah, okay. Donc, donc si un de nos éditeurs. <laughs> ah bah, voilà. euh, mais, voilà. euh, mais par contre je pense que Noodle l'a fait, euh, je peux te trouver ça. Euh... Bah, il, faut il faut mettre le site à jour, monsieur. Euh, Allez, oui, mais euh... je n'ai pas les mesures de Nudas parce qu'il mesure plein de trucs et moi, il faut que j'arrive à intégrer tout ce qu'il fait. Mm -hmm. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes euh, façons de rapporter les données, etc. Mais ah. ça fait partie de mes, de mes buts, c'est d'avoir le plus de données possi possibles là-dedans. Euh... J'avais juste une dernière ouais, question par rapport au PC et même avec ce qui va venir des, con des consoles. Mm -hmm. Est-ce que euh, quand tu fais ton test de PC, tu notes aussi la version de firmware de l'OS. Est-ce euh, que c'est. Euh, parce que j'ai déjà vu, notamment sur d'autres trucs, quand tu mets à jour Windows parfois, eh ben ça va complètement. Euh, je je... Je... Alors... C'est pour ça que je ne publie pas de résultats PC. Euh, okay. Puisque, en fait, je... on, on essaye de tracer le plus de choses. Euh, et donc, je pense que je suis celui qui a fait le plus d'études là-dessus pour dire exactement qu'est-ce que fait chacun des réglages et pourquoi telle ou telle mise à jour peut va faire varier des choses. Il euh, mmh. y a une FAQ sur le, mon site mmh. pour ça. Euh, mais, euh, mais par contre, c'est tout à fait possible que juste une mise à jour et surtout une mise à jour de carte graphique euh, peut améliorer ou détériorer euh, ton input lag. C'est mmh. un peu les deux. Et typiquement, si tu discutes avec les avec les game dev tu te rends compte très rapidement que leur ennemi euh, c'est principalement Nvidia en fait qui, euh, mmh. qui justement fait des choses derrière leur dos et qui fait qu'il y a plein de trucs qu'ils arrivent pas à contrôler et l'input lag du coup c'est même pas même pas la peine quoi on va dire <laughs> ok et question du coup qui était continue après j'ai terminé est-ce que euh, bah, on a les consoles aussi qui se mettent à jour avec les mises à jour d'OS ouais. etc ouais. est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer en compte dans la nouvelle génération de consoles <laughs> on sait qu'elles arrivent à la fin de l'année prochaine ne sais pas euh. Okay. Euh, mais par contre, ce que, que l'on sait, c'est que le, le, la, la console, c'est un environnement qui est beaucoup plus contrôlé mm -hmm. et, que, euh, et que, en fait, euh, typiquement, euh, les réglages par défaut qui sont utilisés dans les systèmes graphiques à l'intérieur sont en général mieux pour les lag de base et ensuite, les, les game développeurs changent s'ils ont besoin. Euh, mais ce qui fait qu'on a un environnement qui est en général beaucoup plus stable. Sur, sur console, en tout cas sur les consoles actuellement, euh, donc typiquement, euh, je parle de P P PS4, Xbox. Okay. Euh, PS3 et, et Xbox 360, il y avait des problèmes, notamment des sticks qui n'étaient pas super cool dessus. Mais globalement, on avait à peu près les, 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 les mêmes délires. Euh, C'est juste que, euh, voilà, il faut après tout peut changer euh, en bien comme en mal on va voir ce que nous dit l'avenir j'espère que ce sera en mieux mais moi j'espérais que le v... la VR allait euh, ramener ce... ce problème là euh, et en finir pour de bon parce que bah, la VR si t'as du lag bah, tu gerbes littéralement euh, mais du coup ça va peut-être que le streaming va forcer les le c'est hein. les... bah, surtout forcer les les devs à s'intéresser à la question et à connaître les bons réglages au bon endroit. On verra. C'est ça, et puis je suppose aussi peut-être forcer d'autres devs à s'intéresser à ça, parce que pour nous c'est capital, mais peut-être que d'autres devs sur d'autres types de jeux ont d'autres priorités aussi. Quoi. Euh, ben, en fait, c'est surtout que c'est euh, de ce que j'en ai discuté euh, euh, avec, euh, avec certains devs, c'est que typiquement sur des, des grosses productions genre AAA, en fait, il le, n'y le, a personne qui va être en charge de régler... Euh, par... enfin, l'input lag dans le moteur graphique c'est un truc qui va être réparti un peu de partout et du coup c'est la responsabilité de personne et du coup en fait personne s'en occupe quoi. du coup c'est dans le, 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 le sprint <laughs> de personne au travail voilà. merci Weed pour ben toutes ces rien. informations on va terminer euh, cette émission avec le quartier libre euh, l'émission a duré un peu longtemps donc on va faire vite tous d'accord ok yep. ok merci mmh. petite gueule. Le quartier libre. Alors, euh, on va pas commencer par moi, le Gacy. Qu'est-ce ah que ouais, tu de quoi tu veux nous parler Je vois que tu as marqué Kengan Ashura. C'est quoi ça C'est un jeu avec des, des anime animes qui disent Mais tu m'as pris pour qui okay. bah, je, je confonds, ça, son, ça sonne comme Sengan Kagura, je sais plus trop quoi là, un truc où il est... Alors en fait, c'est la, la bonne version, tu vois, il y a Kengan Asura. <laughs> c'est pour ceux qui ont des couilles de taille d'une olive. OK. Et Kengan Asura, c'est ceux qui ont des kiwis dans le pantalon. OK. D'accord. Alors, explique-nous, c'est quoi alors, euh, c'est un petit animé qui a débarqué sur Netflix. Donc, euh, c'est tiré du manga du même nom. Et en fait, euh, techniquement, c'est un manga de baston. Voilà. Okay. Et puis, c'est toi partout. qui me l'avais fait découvrir euh, voilà. en manga. Et c'est genre euh, de la bagarre et on s'en fout un peu du scénario et tous ces trucs-là, quoi. C'est un peu ça. La bagarre, c'est le scénario. La bagarre, c'est le scénario. Ok, d'accord. Et euh, voilà. est-ce que tu peux nous dire d'autres pour convaincre hein, les auditeurs que... Mais ça vaut pas bah, si envie, de me couper la parole. Bah, je sais pas, tu enchaînes pas là, vas-y. <laughs> mais si, j'enchaîne, mais j'aime. Ah, bon, donc <laughs> le, en fait, le truc, c'est que moi j'aime beaucoup le, le manga, qui n'est pas édité en France, malheureusement. Mm -hmm. euh, je me le suis fourni par mon oncle du Japon. Et euh, donc le, le manga, en fait, est très très bien dessiné. C'est vraiment un, mm -hmm. un haut niveau technique. Euh, et le problème, c'est que quand j'ai vu les premières images de l'animé, euh, bah, je me suis pris la baffe. « Tiens, prends donc ton animé en 3D et euh, viens pas me faire chier. » Et en fait, quand j'ai regardé au début les, 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 la moitié du premier épisode, je me suis dit « Putain, mais c'est trop moche, ça, ça me dégoûte. Euh, » Cette 3D qui, que Netflix abuse euh, dans, dans la plupart de leurs production Alors, je comprends que c'est moins cher, donc ça permet de, de chier de l'animé plus rapidement, mais c'est énervant. Et en fait... Finalement, je me, je me suis, deux trois jours après, je me suis reposé dans l'épisode et je l'ai regardé et en fait, ça se regarde super bien. Euh, c'est pas le plus bel animé du monde, c'est pas non plus le meilleur, mais c'est un très bon défouloir pour ceux qui aiment le manga de baston, T-Baki, etc. C'est euh, du même niveau et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire avec cet animé, c'est que la 3D permet de faire ce que, ce que l'animation classique euh, ne peut pas vraiment, ou alors euh, il faut des, des, des talents extraordinaires. C'est retranscrire la spatialisation des combats. Parce que quand on est dans un animé, forcément, on est un peu dans un effet 2D, etc. Là, vu qu'on a, on a de la 3D, on a des mouvements de caméra, un peu comme ce qu'avait fait euh, Dragon Ball Super Broly, où euh, la, les passages en 3D, bien que techniquement inférieurs, avaient donné des plans de caméra extraordinaires, des, des jeux sur la taille, etc. Ben là, c'est un peu pareil. On a les mouvements des, des combattants, etc. Les doubleurs sont excellents. Donc c'est un petit animé. Il vient de sortir la deuxième partie il n'y a pas longtemps sur Netflix, donc il y est la première saison. Je recommande. Voilà. Kengan, Ashura, que tu veux passer Allez. Donc tu vas nous parler de quoi moi, je vais vous parler de Dusk, que j'ai fini cette nuit et que j'ai vraiment adoré. C'est un jeu PC, c'est pour les nostalgiques de fast FPS des années 90. Et je pense que ceux qui ne se sont pas retrouvés dans Doom 2016, qui est un très bon jeu, mais qui est autant un beat'em le première personne qu'un qu FPS. Donc euh, Dusk, c'est un mec qui est super fan de Blood, en fait, qu'il a fait. Blood, c'est un jeu de 97 euh, qui était allé beaucoup plus loin que Doom dans le délire satanique pour ados où on se fend la gueule en déchirant des trucs. C'est en 3D, ça ressemble pas mal au premier Quake. C'est des arènes, ça va super vite et tu peux... Euh, tu peux strafe-jumper ton chemin tout du long. Euh, C'est des gros polygones de sang qui explosent à chaque fois que tu termines un ennemi. Euh, voilà, on, on s'y retrouve. Mais il y, y, y a une petite mode en fait du rétro FPS en ce moment. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. C'est dur de les distinguer. Lui, il a des bonnes critiques et vraiment, il a un level design de ouf. Il a une BO qui est très très cool et qui a notamment un mec qui s'appelle Andrew Ullschult qui a participé dessus et qui fait du bon Metal Indus pour Quake Champions ou qu'on a fait pour ces jeux-là aussi plutôt euh, avant. Euh, voilà, le jeu dure une dizaine d'heures. Euh, ça se réinvente tout le temps. Dès que tu t'emmerdes, une nouvelle idée qui vient te réveiller. On a des bouts de scénario bizarres et des, des vrais passages un peu dérangeants ou différents qui arrivent à la fin. Euh, ça te surprend en permanence. C'est une super découverte. Je savais que j'allais aimer, j'étais conquis d'avance, mais pas à ce point-là. J'ai vraiment adoré. Je vous recommande Dusk. Dusk sur Steam. Donc alors, Flash il va nous parler... De... <laughs> Pourquoi Flashou Mais pourquoi ça vous fait rire Alors là, vraiment, je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que cette ségrégation Moi, je veux vous parler d'Overwatch 2, et ce dont je veux vous parler, c'est surtout du trailer euh, qui est sorti il y a quelques jours. Euh, moi, je ne suis pas un joueur d'Overwatch, et ça ne me dérange pas plus que ça, euh, mais dès le départ du, du, du jeu, euh, j'étais très, très, très intéressé par euh, toute la, la com. Qui est faite et notamment leur bandes annonces qui, pour moi, sont des, des putains de films, euh, c'est des, des, des petits courts métrages de euh, 3-4 minutes. Et euh, là, la, la sortie donc de Overwatch 2 m'a confirmé sur cette voie là à savoir que, mais putain, pourquoi Blizzard, au lieu de nous sortir des World of Warcraft de merde euh, mal torché, ne nous propose pas un animé façon Pixar avec le tout l'univers d'Overwatch qui est parfait pour ça. On sait qu'ils ont les, les, les talents pour euh, faire l'image. Pour la mettre en action, pour créer des choses intéressantes. Euh, là, je vous citais le trailer d'Overwatch 2. Euh, y a, y a, on, on sent que ça fourmille d'idées que l'univers est très très riche. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont un, un énorme lore et qu'ils ne se font pas trop chier avec. Alors, comme je ne joue pas au jeu, peut-être que je dis des grosses conneries sur ce point-là, mais en tout cas, euh, voilà, moi, voir ce trailer d'Overwatch, ça m'a beaucoup intéressé et ça me motive d'autant plus à, à réclamer auprès de, de Blizzard. Mais putain, sortez-nous un film d'animation là-dessus. Euh, Donnez-nous du biscuit pour ceux qui jouent pas forcément au jeu euh, et qui s'y intéressent, bah, pour, pour le côté lore et euh, voilà faites, faites nous kiffer nom de Dieu. Eh bien bon bah j'espère qu'ils t'écoutent le pif de l'actu sinon euh, ça marchera pas très bien. <laughs> non, non, euh... On verra les manifestants. Avant de avant ça que que que... Jeff, papa Jeff déjà nerf sigma. Et euh, viens pas me casser. Hein, Alors, euh, Alba, je vois que tu n'as rien noté dans le conducteur, donc je vais laisser Weed nous parler avant de te donner la parole. Tu as donc deux minutes pour te préparer, Alba. Weed, tu as marqué CPS2 dans le conducteur. Ouais, donc ça, c'est un truc que je fais dernière, euh, dernièrement. En gros, euh, moi, j'aime beaucoup l'arcade et euh, les, les bornes d'arcade et ont très exactement les cartes mères euh, pour euh, bah, voilà jouer à mon Breaker's Revenge euh, tel qu'il doit l'être. Euh, et du coup. Euh, Dernièrement, je me, je me suis pas mal euh, focalisé sur le CPS2. Donc, euh, pour rappel, le, le système qui a accueilli euh, Street Fighter 2, euh, euh, Zero, euh, Vampire Savior, etc. Et euh, notamment pour réparer, des, pour réparer les quelques unes que j'ai qui, qui étaient cassées. Et euh, du coup, j'ai pas mal bossé sur euh, le fait de refaire le schéma euh, original, de, enfin le, le schéma électronique. De, de ces bornes là euh, pour, euh, pour euh, continuer à, à les réparer et en fait ce que j'ai trouvé assez fun c'est que donc j'ai publié euh, le schéma de la car des, des cartouches euh, c'était quand même il y a deux semaines donc là je continue pour faire le reste mais euh, j'ai été abordé par euh, une communauté que je connaissais que très peu euh, qui est la communauté des FPGA euh, où en fait tu as des gens qui euh, sont un peu spécialisés en essayant de reproduire l'arcade, mais pas en mode simulation software. Ils essayent de reproduire vraiment l'électronique le, le, de l'arcade, donc avec euh, les projets comme Mister, M-I-S-T-E-R, euh, et euh, où dedans tu peux charger exactement le, la configuration électronique de. Euh, bah, différentes bornes arcade, je sais pas Pac-Man ou n'importe quel, euh, euh, quel autre truc, et typiquement CPS2, enfin CPS1 et 2, ça fait partie des, des, des mystères parce qu'elle est, est très compliquée et du coup ils étaient assez hypés euh, par ça et euh, donc je découvre un peu ce truc là, je sais pas si je vais me plonger dedans, mais si c'est des choses qui vous intéressent, ils ont beaucoup de ce qu'ils appellent des corps, donc c'est des, des, des cartes mères déjà implémentées à l'intérieur du système quoi. D'accord. Merci, Weed. Alba On a perdu, Alba. C'est terrible. Ah oh non, c'est parce que j'étais en mute. Ah, je voulais coïn. pas faire de bruit pour éviter le bruit. Bon, alors, de quoi tu vas nous parler Qu'est-ce que t'as fait alors, sur ton temps libre, toi, ces derniers temps Moi, qu'est-ce que j'ai fait sur mon temps libre Quand je joue pas aux jeux de baston, je joue à PES en ce moment. Ah oh, putain. If <laughs> Football, oh. Pro Evolution 5. C'est un jeu japonais. Et après, ouais, vous venez m'emmerder avec Overwatch. <laughs> non, mais, non, mais euh, PES. Il a un arcade au Japon. Ah ouais J'avais même Bien pas. Sûr. Bien sûr. Mais il faut respecter PES. De la pure simulation, c'est le Virtua Fighter du fou. Moi, <laughs> je vous le dis. Moi, je vous le dis, il faut ça sort, des noms, ça sort des noms, là. Oh là 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 là. là, là. Il n'y a pas de problème d'input lag rien du tout. Il bousse basse au dessus du Suzuki. <laughs> bon, je, je, je propose que Weed mesure l'input lag de PES. Alba de donne ta PS4. Je, je... La, la vérité, je, je veux, je, je t'envoie un FIFA 18 demain, Weed. Oui, je suis sûr <laughs> qu'il a un input lag de salope. Je le ressens trop quand je joue. C'est C'est vrai, hein, c'est vrai. Le, le jeu, il est, c'est une simulation quasiment parfaite. C'est du football à la manette. Comme disait mon neveu quand il a joué avec moi, si tu sais pas jouer au foot, tu ne peux pas jouer à PBS. <laughs> okay. Il a quel âge ton neveu Il a 17 ans. Ah putain, ouais, c'est est, est grave quand même à cet âge-là. <laughs> c'est un sacré défenseur et il me disait que oui, il est obligé de réfléchir comme quand il joue au foot. <laughs> Alors ça, il se foutent de ta gueule parce que s'il faut réfléchir pour jouer au foot, euh, ça se saurait, Ça c'est bien les mecs qui ont jamais aligné deux passes. Hein. Voilà, oh. euh, comme par hasard, mes sujets, ça part à la débandade, tout ça. Oh, évidemment, ça sort des mots. <laughs> bon et bon, bref. Donc le dernier peu c'est bien, c'est pas bien. Tu recommandes Je recommande totalement. Ok. Je recommande totalement. Il est temps de se convertir, de passer à autre chose. Le okay. FIFA. oulala là, c'est de la radicalisation, ça. Hein <rire> <rire> putain <rire> La radicalisation dans le football, allez, je termine ce podcast avec une recommandation BD et pas manga, cette fois BD franco-belge. J'ai lu et j'ai beaucoup aimé euh, Mécanique Céleste de Merwan, que vous connaissez peut-être parce qu'il est presque tous les ans au Stunfest. Euh, qui jouait à Belle sur Street Cat Donc euh, Mécanique Céleste, c'est une BD qui se passe dans euh, la banlieue parisienne en 2068 après euh, après l'apocalypse, on va dire. Les gars Ah mais t'avais tweeté le une et planche, et planche non Ouais ouais c'est ça. Ah ouais, ouais ça avait l'air stylé. Et en gros euh, c'est euh, donc euh, post-apo mais euh, post-apo, vous voyez Tchernobyl genre aujourd'hui, c'est-à-dire la nature a repris ses droits. Euh, ok il y a de la radioactivité partout mais voilà. Puis on s'attarde pas trop sur ce point-là en fait. Ce qui se passe c'est qu'on suit un personnage qui s'appelle Aster et qui euh, va devoir défendre euh, la ville dans laquelle elle vit, enfin elle n'est pas trop tolérée, mais dans laquelle elle participe, quand il y a un empire qui arrive et qui leur dit bah maintenant vous nous filez 25% de votre bouffe et on vous protège, blablabla, enfin bref, un truc un peu empire quoi, les, les, la réunification post-apocalypse. Et en gros, ils vont jouer ça à la mécanique céleste, qui est en fait une partie de balle aux prisonniers euh, un peu avancée. Donc en gros, c'est une série, c'est un, une BD sur euh, un conflit politique dans un post-apo euh, dans la banlieue parisienne où on joue à la balle aux prisonniers. C'est Rollerball à cette scène. Ouais, <laughs> C'est un peu ça, en vrai. C'est pas en Seine-Saint-Denis, je sais plus où c'est. Mais c'est pas en Seine-Saint-Denis. Et c'est super beau. C'est euh, intégralement dessiné à la main et euh, à l'aquarelle. Donc les planches sont incroyablement belles. Il, a, il est très fort pour euh, l'action. C'est à la fois bourré d'humour, euh, plein de bons sentiments et euh, et c'est très clair. C'est fini en un seul volume de euh, 200 plus de 200 pages, euh, grand grand format donc euh, 24-32 la BD. Donc euh, autant vous dire que ça fait un bel objet. Je crois que c'est sorti pour quelque chose comme 20-22 balles ou un truc comme ça. Donc voilà, si vous cherchez une bonne BD à vous faire offrir ou à offrir ou même à vous acheter pour vous. Pour les fêtes de Noël qui arrivent, bah allez chez votre livraire, libraire BD et demandez-lui Mécanique Céleste. Lassman. Et bah, pour le coup, c'est un pote des auteurs de Lasman, Donc, ils jouent, ils jouent à Street ensemble. D'ailleurs, euh, voilà. <laughs> on, on voit, euh, si vous allez sur l'Instagram le, le, de Merwan, donc l'auteur Merwan.chaban, vous verrez qu'il y a quelques fanarts de Street Fighter euh, qui traînent ici et là. Donc, euh, voilà. Un gars sûr. Voilà, c'était le pif de Lactu du 3 novembre 2019. Merci à tous de nous avoir écoutés Merci à tous d'être venus. Merci Weed de nous avoir éclairé de ta science. On se quitte sur ce petit thème. Je me demande bien ce que c'est le Legacy. Ah, c'est un jeu Nintendo, c'est un jeu Nintendo mais pas un jeu Nintendo. On va voir si vous reconnaissez. A bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Ciao. 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 <laughs> oui, ça t'a craqué